Voilà près de 10 000 ans que l'Imperium des Hommes règne en maître sur la galaxie. 10 000 ans, une durée démesurée, vertigineuse pour nous autres humains, et pourtant si insignifiante à l'échelle de l'univers. Pour le maître de l'humanité, l'idée que l'histoire n'était qu'un cycle appelé à se répéter encore et encore était une limite dont il entendait s'affranchir. Avant lui, nombreux pourtant avaient été les empires à proclamer leur domination sur la galaxie. Nombreux avaient été ceux à croire que leur règne serait éternel, immuable. Nombreux avaient été ceux à penser qu'ils avaient figé le temps. Seulement, de ceci, il ne reste rien, si ce n'est quelques vestiges témoignant de leur illusion. Bien avant qu'ils ne fondent l'Imperium, alors que celui-ci n'était qu'un simple observateur errant à travers les continents de la vieille Terre, l'Empereur avait assisté à l'avènement de la race humaine. Un âge d'or connu de nos jours sous le nom du Moyen-Âge technologique. Une époque qui, après des millénaires de conquêtes nouvelles et de découvertes extraordinaires, vit l'humanité atteindre son apogée. Cette période désormais révolue, presque oubliée, s'était conclue par l'effondrement de tout ce que l'homme avait bâti, au terme d'une chute aussi brutale que son apothéose fut grandiose. Ce cataclysme sans précédent avait poussé l'humanité au bord du précipice, proche de son extinction. Il en subsistait toutefois quelques échos pour qui voulait tendre l'oreille vers ces temps lointains, comme si, par ces bribes d'histoires parvenues jusqu'à nous, les âmes des ancêtres souhaitaient nous faire parvenir un message, un témoignage afin de nous prévenir de leurs erreurs et, ce faisant, éviter qu'elles deviennent les nôtres. Le récit qui suit participe de ces avertissements du passé, censé nous prévenir d'un présent que nous ne désirerions pas. Alors que l'humanité ne cessait d'étendre les limites de ses domaines à travers la Voie lactée, celle-ci fit la rencontre de la race des Aeldari, une race qui, avant l'avènement de l'espèce humaine, avait elle aussi été maîtresse de la galaxie, avant de devoir à son tour céder sa place. Sur le déclin, l'Empire Eldar demeurait néanmoins puissant, et, faisant montre de prudence, les hommes firent le choix de cohabiter en paix avec lui. Suite à leur rencontre, Aeldari et humains en vinrent à échanger à de nombreuses reprises. Les premiers dévoilèrent ainsi aux seconds, certes de façon parcimonieuse, des informations sur le passé de leur race. Parmi les histoires rapportées, il en est une qui marqua à ce point nos lointains ancêtres que ceux-ci estimèrent de leur devoir de la consigner précieusement pour les générations à venir. Cette histoire, enfouie dans les profondeurs du temps, se déroula ainsi bien avant que l'homme ne foule les vastes continents de son monde natal, bien avant même que la plupart des espèces peuplant la galaxie n'y apparaissent et y prospèrent. Mais plus qu'une histoire, celle-ci apparut à nos lointains ascendants tel un avertissement, une mise en garde, un message à léguer de génération en génération, afin de ne jamais oublier qu'une force colossale, tapie dans les ténèbres depuis des temps immémoriaux, attend son heure, patiemment, prête à tout dévaster pour assouvir sa vengeance. Un récit afin que la galaxie n'oublie jamais que, tôt ou tard, viendra une guerre à nul autre pareille. Une guerre qui aura pour conséquence la fin de toute vie. Ce récit, légué par les Aeldari à l'espèce humaine, débute il y a de cela des éons, au moment même où les toutes premières formes de vie émergeaient des ténèbres qui les entouraient. Des entités informes, incapables d'interagir avec le monde de la matière. Des êtres échappant à toute conception humaine, dont l'esprit froid, vide de toute émotion, était uniquement guidé par une faim insatiable et la volonté de survivre. Formés dans le vide sombre et glacial de l'espace, par les immenses émissions d'énergie relâchées lors de la création de notre galaxie, ces créatures éthérées flottaient à travers les abysses, se laissant porter par les flux électromagnétiques parcourant la Voie lactée, allant d'étoile en étoile afin d'en absorber l'énergie, tels d'immenses parasites stellaires. Après des millions d'années d'existence passées à parcourir le cosmos, une forme de conscience primitive émergea chez celle-ci. Une conscience qui allait continuer de se développer avec le temps, chez ces êtres qui, bien plus tard, prendraient le nom de K'tan. Mais alors que le vide entre les étoiles avait engendré les K'tan, le monde de la matière allait, lui aussi, donner naissance à la toute première forme de vie intelligente de la galaxie. Une race dont le nom demeure inconnu, mais qui eut toutefois un impact incommensurable sur le développement de la vie au sein de la Voie lactée. En effet, parmi les nombreuses espèces qui allaient s'y développer au fil du temps, il est étonnant de voir que quasiment toutes furent en contact, de près ou de loin, avec cette race mystérieuse. Hélas, de ces formes de vie à avoir vécu durant les âges les plus anciens, il ne reste désormais quasiment plus aucune trace de leur passé, leur histoire ayant été oubliée à jamais suite au passage du temps. Seuls les ancêtres des Aeldari furent en mesure de préserver des fragments d'informations sur cette époque, et notamment sur ceux qu'ils nommèrent les Anciens.
Les récits rapportés sur ces derniers les décrivent comme un peuple à l'apparence reptilienne, d'une intelligence en commune mesure. Ces êtres, spirituels, pacifiques et bons, dotés d'une grande sagesse, avaient élevé l'astrologie et l'astronomie au rang de sciences mystiques. Grâce à leurs immenses dons psychiques et à leur maîtrise des sciences, les anciens développèrent une technologie extrêmement avancée, jamais égalée, même à ce jour. Lorsqu'après des millions d'années passées à arpenter les jungles luxuriantes de leur monde natal, ceux-ci furent enfin en mesure d'en quitter les cieux, ils réalisèrent, avec tristesse, leur solitude en parcourant les immensités infinies et vides de l'espace. Toutefois, loin de se laisser décourager, les anciens continuèrent leur exploration du cosmos, en y développant un moyen de se déplacer par la construction d'un réseau de portails warp disséminés à travers la Voie lactée. Cette toile labyrinthique, façonnée à travers un système de tunnels interdimensionnels, permettait, ainsi, tel un pont, de naviguer entre le plan physique et le monde immatériel. Une technologie prodigieuse, inconcevable, dont, même des centaines de millions d'années plus tard, des vestiges demeurent éparpillés à travers la galaxie. Des vestiges qui, dans un futur lointain, donneraient l'idée folle à un homme de tenter de reconstruire ses créations divines. Ce système permit ainsi de réduire drastiquement les temps des déplacements à travers la galaxie. Des voyages qui auraient pris plusieurs milliers d'années aux flottes des anciens se faisaient désormais seulement en quelques semaines, voire en quelques jours. Il est intéressant de noter que le monde immatériel de cette époque ne ressemblait alors en rien à la dimension infernale du 40e millénaire. Le warp des premiers instants de l'univers apparaissait tel un océan calme, paisible, pas encore affecté par les émissions psychiques et les émotions des créatures mortelles, alors bien rares au sein de la galaxie. Les anciens, ressentant comme un pressentiment sur les dangers de cet endroit, choisirent de concevoir un système de galeries psychiques sécurisées pour le traverser, plutôt que de naviguer en son sein, comme le feraient la plupart des races qui se développeraient après eux. Une fois achevée, cette création prodigieuse ne leur servit pas à assouvir une quelconque soif de domination sur la galaxie, mais, au contraire, à aider au développement de la vie au sein de celle-ci. Au cours de leur voyage, ils firent en effet la rencontre de nombreuses formes de vie, à l'état primitif, voire cellulaire. Tenant la vie sous toutes ses formes comme sacrée, les anciens utilisèrent leur technologie prodigieuse afin d'aider ces espèces à se développer, avant de les guider en vue de former des sociétés stables et harmonieuses. Plus impressionnant encore, ceux-ci allèrent jusqu'à transformer certaines planètes afin qu'elles soient en mesure d'accueillir de nouvelles formes de vie qu'ils avaient eux-mêmes créées. Parmi celles-ci, seuls les Slan, les Jokaero ou encore les Krork nous sont connus, et nul, hélas, ne peut dire combien d'autres espèces furent ainsi engendrées. Les Aeldari eux-mêmes ne savent pas quel rôle ceux-ci jouèrent au développement de leur propre race, ne pouvant être certains d'avoir été créés ou seulement guidés par ces bienfaiteurs. Personne ne sait d'ailleurs quelle a été précisément l'influence des anciens sur le développement de la vie au sein de la galaxie, tout comme personne ne peut dire pourquoi ceux-ci décidèrent d'agir avec tant de bienveillance envers les autres races de la Voie lactée. Peut-être respectaient-ils tout simplement le caractère sacré de la vie, ou peut-être qu'en faisant cela, ceux-ci tentèrent de combler ce sentiment de solitude et d'impuissance face au vide infini et terrifiant de l'espace. La réponse à cette question se trouve peut-être entre les deux. Durant des dizaines de millions d'années, les anciens continuèrent leur exploration de la Voie lactée, tout en fondant un immense empire galactique et en apportant leur soutien aux jeunes espèces qu'ils rencontrèrent à travers les étoiles. Mais alors que leur société atteignait son apogée, une nouvelle forme de vie se développait lentement à l'autre bout de la galaxie. Sur la bordure nord de la Voie lactée, dans une région immense composée de centaines de millions de mondes, une région qui prendrait plus tard le nom du Halo des étoiles, la race des Nécrontyr tentait tant bien que mal d'imposer son droit à exister sur une planète qui ne semblait pourtant pas vouloir d'eux. Là où les anciens, grâce à leurs immenses capacités intellectuelles et psychiques, se développèrent à une vitesse vertigineuse au cœur des jungles luxuriantes de leur monde natal, les Nécrontyr, eux, connaissaient une évolution lente et pénible. Depuis toujours, ces derniers regardaient avec tristesse et envie vers les étoiles, espérant pouvoir un jour quitter ce monde aux conditions de vie épouvantables. Proche de son étoile, celui-ci était ainsi constamment balayé par de terribles tempêtes solaires et des vents radioactifs qui affectèrent le développement de l'espèce. Constamment rongé par d'horribles maladies, les cancers et autres tumeurs réduisaient drastiquement la durée de vie de ses membres. Rares étaient ainsi ceux à pouvoir atteindre l'âge adulte, et encore moins ceux à pouvoir vivre plus d'une décennie ou deux. Dès leurs plus jeunes âges, les Nécrontyr prenaient ainsi conscience qu'ils n'avaient pas grand-chose à attendre de leur passage en ce monde, si ce n'est de terribles souffrances et le chagrin qu'ils ressentiront à la perte de ceux qu'ils aiment.
Prisonniers de cet enfer, ils y firent cependant preuve d'une ténacité et d'une volonté hors du commun, luttant sans cesse pour leur survie dans ces conditions cauchemardesques. Lentement et péniblement, leur société évolua, et ceux-ci se mirent à bâtir d'immenses villes pour se protéger un tant soit peu des dangers encourus. Celles-ci n'étaient toutefois pas des lieux d'échange à la vie foisonnante, mais plutôt de gigantesques nécropoles marquées par l'omniprésence de la mort. Les Nécrontyres y vivaient ainsi, à l'ombre d'édifices cyclopéens, servant de sépulcres et de tombes à leurs ancêtres. Des lieux dont ils savaient que, bientôt, elles deviendraient leur demeure. Au sein des cités se développa une hiérarchie structurée où les représentants des différentes dynasties régnaient avec autorité sur leur peuple. Ceux qui, parmi les masses misérables des différentes cités, possédaient une constitution supérieure à la moyenne, se voyaient être enrôlés comme guerriers au sein des différentes maisons. Composée de plusieurs centaines de nobles, chaque dynastie était dirigée par un pharaon, au-dessus duquel se trouvait le triarcat. Ce conseil régnait sur les différentes maisons, et ce faisant, sur l'ensemble de la société Nécrontyre. Il était composé des pharaons à la tête des deux plus puissantes dynasties, ceux-ci servant de conseiller aux derniers membres du triarcat, l'héritier de la famille royale. Cet être mystérieux, connu sous le nom du roi silencieux, représente l'autorité absolue. Celui-ci ne prononce jamais un seul mot, si ce n'est pour donner ses ordres à ses deux conseillers. Les triarques prirent rapidement conscience que leur tâche principale allait être de préserver l'unité du peuple dont ils avaient désormais la charge. L'harmonie entre les cités apparaissait en effet comme la condition de la survie de ce peuple dont la dispersion des maigres forces aurait signifié la fin au regard des défis que leur imposait leur monde. De génération en génération, les triarques s'employèrent ainsi à maintenir la cohésion entre les dynasties. Soucieux de leur mission, ils étaient habités d'un profond sens du devoir que nourrissait notamment la vue de ces gigantesques tombes, leur rappelant les sacrifices de leurs aînés dont ils entendaient se montrer dignes. Au fil du temps, les Nécrontyres parvinrent à se développer péniblement, jusqu'à être en mesure d'espérer pouvoir quitter les cieux de leur monde d'origine. Lorsque finalement ce moment arriva, c'est avec une émotion non feinte que ces derniers, jusqu'alors habitués à n'attendre que souffrance et chagrin de leur existence, abandonnèrent les immenses nécropoles de leur monde aux quelques dynasties laissées là-bas comme gardiennes et protectrices des tombes de leurs ancêtres. Unis suite aux innombrables épreuves qu'ils avaient eues à traverser, ils se servirent de cette cohésion peu commune pour fonder un puissant empire à travers les étoiles, marquant ce faisant le début d'une époque grandiose qui vit pendant plusieurs dizaines de milliers d'années les différentes grandes dynasties coloniser des centaines de systèmes planétaires. Durant des milliers d'années, l'Empire des Nécrontyres continua ainsi sans cesse de s'étendre. Au fil du temps, leur technologie se développa elle aussi. Faibles de constitution, les représentants de cette race conçurent de puissantes armes à énergie et de solides armures à base de nécroderme, un métal vivant permettant de régénérer quasiment instantanément tout dégât reçu. Ce surprenant alliage en vint rapidement à être utilisé dans de nombreuses constructions, ainsi que pour la fabrication des puissants vaisseaux de leur flotte. Pourtant, malgré ces découvertes incroyables, malgré la puissance de leurs armées et l'immensité de leur empire, les Nécrontyres demeuraient une race maudite. Loin de leur astre d'origine, les nombreuses maladies qui les touchaient finirent certes par disparaître avec le temps, mais les millénaires passés sur leur monde natal avaient causé d'irréversibles dommages à leur sous-génétique, qui les condamnait inéluctablement à une existence éphémère. Mais aussi rude qu'ait été leur existence, ceux-ci avaient été épargnés jusque-là par le terrible sentiment qui accable celui qui ressent le poids d'un sort défavorable contre lequel il ne peut rien. Les Nécrontyres avaient été épargnés du fardeau sous lequel ploie la victime de la fatalité, prenant soudainement conscience de la somme d'efforts qu'elle a dû fournir afin de surmonter des défis auxquels d'autres n'auront jamais à faire face. Appelés à composer avec un monde qu'ils n'avaient pas choisi, ces derniers n'avaient en effet jamais pu jusqu'alors se rendre compte de l'injustice qui les frappait, faute d'avoir croisé sur leur chemin un peuple qui, lui, avait été béni des dieux. Leur rencontre avec les anciens allait s'avérer telle une révélation. Au cours de leur exploration du cosmos, les Nécrontyres finirent en effet par entrer en contact avec l'Empire des Anciens. Ils furent immédiatement subjugués à la vue de la variété et de la richesse des formes de vie qui s'y étaient développées. Des sociétés complexes, harmonieuses et justes y prenaient place au sein de mondes paradisiaques, dotés d'une faune et d'une flore luxuriantes. Ayant eu vent de l'arrivée d'une flotte d'origine inconnue en bordure de leur domaine, les maîtres des lieux partirent à la rencontre de celle-ci, pour finir par entrer en contact avec les diplomates envoyés par le roi silencieux. Leurs échanges se déroulèrent dans un respect mutuel et constructif, d'où découla l'établissement de liens solides. Rapidement, les échanges commerciaux se multiplièrent entre les Nécrontyres et les Anciens, ainsi qu'avec les différentes races sous leur protection.
Bien vite, les représentants des différentes dynasties, ayant été au contact de ces nouveaux alliés, ne purent que rapporter, plein d'enthousiasme et d'émerveillement, ce qu'ils avaient vu. Le gigantesque empire des anciens s'étendait d'un bout à l'autre de la Voie lactée, et les mondes qu'ils avaient colonisés étaient splendides, transformés pour en faire des lieux idylliques, au sein desquels les espèces présentes se développaient en toute quiétude. Les technologies utilisées par ces nouveaux alliés semblaient hors de toute compréhension pour les nouveaux venus. Plus incroyable encore, la maîtrise des sciences des anciens était telle que celle-ci leur avait permis de corriger les défauts de leurs organismes, jusqu'à faire d'eux des êtres quasiment immortels à l'abri du passage du temps. Chaque connaissance nouvellement acquise par les Nécrontyres, au contact de leurs récents alliés, renouvelait l'admiration qu'ils leur portaient, tout en nourrissant néanmoins un sentiment apparu dès les premiers moments de leur prise de contact. Un sentiment si confus qu'il en fut d'abord imperceptible. Vague, au point d'en être inconscient, celui-ci n'avait en effet cessé de croître et de se préciser dans l'esprit de ces lointains voyageurs, au fur et à mesure que la réussite des anciens apparaissait de plus en plus éclatante, semblant réduire à peu de choses leur propre réalisation. Lentement, un malaise s'installa. Celui-ci, entremêlant humiliation, ressenti et jalousie, grandit, enfla, au point de devenir colère. Une colère sourde, mais réelle, tournée d'abord contre eux-mêmes, puis contre le destin, et enfin, contre les anciens eux-mêmes. Voir ainsi ces derniers et leurs créations régner-t-elle des dieux sur la galaxie, alors que eux avaient eu à ramper à travers les vastes déserts radioactifs pour survivre, alors que l'âme et leur corps étaient meurtris à jamais par ces millions d'années passées seules dans les ténèbres, agit-elle une révélation sur leurs existences et son injustice? Pourquoi? Cette question revenait sans cesse. Qu'avait-il bien pu faire pour que le destin se soit montré si injuste? Pourquoi avait-il eu à subir une existence de souffrance alors que d'autres avaient vécu dans la paix et la prospérité? Il est dit qu'à cette époque, le roi silencieux des Nécrontyres, un grand monarque dont le nom est désormais oublié, régnait avec sagesse et autorité sur son peuple. Celui-ci était jusqu'alors parvenu à maintenir l'union entre les différentes dynasties, et cela malgré l'immensité d'un empire aux limites en perpétuelle expansion. Désireux du bien de son peuple, celui-ci avait ainsi envoyé ses plus proches conseillers rencontrer les anciens, afin de leur demander de partager leurs connaissances sur l'immortalité et ainsi délivrer les Nécrontyres de leurs existences éphémères. Toutefois, leurs espoirs furent brisés bien rapidement lorsque les anciens refusèrent. Nul n'en sait la véritable raison, mais l'on peut supposer que ceux-ci, même s'ils avaient souhaité aider les Nécrontyres, savaient ce qu'un tel cadeau impliquait. Le don de l'immortalité n'aurait pu être donné sans être sûr que ceux qui le recevraient l'utiliseraient à bon usage. Tout ceci n'est que supposition, mais peut-être que les anciens avaient perçu le ressentiment et la haine enfouis dans le cœur de leurs récents alliés. Une haine tapie dans l'ombre. Seul refuge possible à ceux ayant eu à subir tant de souffrances. Suite à cette opposition, les envoyés du monarque retournèrent rapporter à leur maître les paroles des anciens, ce qui ne fit que décupler le sentiment d'humiliation des Nécrontyres. Dévasté à l'annonce de cette nouvelle, le roi silencieux n'eut toutefois pas le temps de se laisser aller au désespoir, car une nouvelle des plus inquiétantes venait de lui être rapportée. Au cours des derniers millénaires, les grandes dynasties n'avaient cessé d'étendre les limites de leur vaste royaume. Dans leurs quêtes insatiables de pouvoir et d'autonomie, des tensions inédites étaient apparues entre les différentes maisons nobles ainsi qu'avec le triarcat. Ayant sous-estimé le ressentiment et les jalousies qui s'étaient développées avec le temps entre les différents pharaons, le roi silencieux fut abasourdi lorsqu'il apprit que plusieurs des grandes dynasties avaient décidé de faire sécession de l'empire. Par peur de voir celui-ci se désagréger, le triarcat n'eut d'autre choix que d'envoyer ses armées mater les mouvements séparatistes. Une terrible guerre civile débuta alors entre les maisons nobles restées fidèles au roi silencieux et ces derniers. Au fil des années, la violence ne fit que croître, et ce qui aurait dû être une guerre rapide se transforma en une lutte d'attrition. Celle-ci se transforma en un véritable massacre, embrasant tout l'Empire. Chaque méfait renforçait la haine entre les différentes factions, rendant toute réconciliation de plus en plus improbable. Des villes entières furent rasées, des mondes réduits en cendres, par les armes terrifiantes des Nécrontyres. Après seulement quelques années de lutte, le nombre des morts se comptait en millions. Le roi silencieux observait avec tristesse cette lutte fratricide. Lui, qui n'avait souhaité que le bien de son peuple, le regardait maintenant sombrer dans l'abîme. Alors que celui-ci avait surmonté tant d'épreuves, tant de souffrances, il s'entretuait en de puériles luttes intestines. Le monarque ne put toutefois se résoudre à abandonner. Lorsqu'il était devenu le roi silencieux, il avait juré d'accomplir son devoir. Plus qu'un devoir, la tâche qui lui incombait était une dette. Une dette envers tous ses prédécesseurs. Une dette envers les siens. Peu importe ce qu'il en coûterait, il les sauverait.
Durant de longues semaines, le triarcat réfléchit ainsi sur la démarche à adopter. Car, si une solution n'était pas rapidement trouvée, c'est tout ce que les Nécrontyres avaient bâti qui menaçait de s'effondrer. La diplomatie, comme la guerre, n'était pas parvenue à dénouer la crise. Et il fallait maintenant trouver autre chose. Un moyen d'unir son peuple dans une alternative. Bientôt, une idée germa dans l'esprit du souverain. Une idée folle, qui allait causer la mort d'un nombre innombrable de ses sujets. Mais, plutôt que de laisser son peuple courir vers le néant, il allait restaurer son unité par la haine. La nouvelle se répandit alors rapidement au sein de l'Empire. Une nouvelle indiquant que les anciens possédaient une technologie capable de les rendre immortels, et que ceux-ci avaient rejeté avec mépris les demandes d'aide des Nécrontyres. Humiliés, les différents pharaons des grandes dynasties cessèrent immédiatement leur querelle pour se tourner vers cet ennemi qui les méprisait. Ils allaient se battre pour s'emparer de leurs secrets et leur faire payer leur affront. Attirés par une promesse de vie éternelle et unis dans le ressentiment, les Nécrontyres se jetèrent alors dans les flammes de la guerre. Après des mois de préparation, les Nécrontyres furent fin prêts. Une armada, composée d'un nombre inimaginable de vaisseaux, se jeta alors avec fureur au cœur de l'Empire des Anciens, pendant que les flottes des autres dynasties attaquaient sur tous les fronts, causant mort et destruction à travers les vastes domaines de leurs ennemis. Les forces du Triarcat ne firent aucune distinction, réduisant en cendres les mondes des Anciens, comme ceux des autres espèces sous leur protection. Durant les premiers mois du conflit, les adversaires des Nécrontyres ne purent qu'assister avec effroi à cette attaque pleine de lâcheté de la part de leurs anciens alliés. Plus qu'une guerre, ce fut un massacre abominable comme la galaxie n'en avait encore jamais vu. Les Nécrontyres y laissèrent s'exprimer toute leur haine contre ces espèces au contact desquelles ils s'étaient sentis rabaissés et humiliés. Au milieu de cet abominable tourbillon de violence qu'ils avaient déclenché, c'est avec un plaisir non fin qu'ils voyaient ces êtres à n'avoir connu que paix et harmonie ressentir à leur tour le poids de la souffrance et du chagrin. Toute la Voie lactée s'embrasa alors. Les âmes de milliards d'êtres vivants furent emportées dans les flammes de la guerre. La tristesse suite à la perte de leurs proches, la peur face à la mort, la rage ressentie contre l'ennemi, toutes ces émotions et bien d'autres encore se mêlèrent les unes aux autres pour partir rejoindre le grand océan Eloa. Toutefois, après ces premières défaites subies dues à cette attaque surprise, les anciens se reprirent bien vite. Désireux de faire comprendre à leurs anciens alliés qu'ils étaient loin de leur avoir montré toute l'étendue de leur puissance, le temps de la contre-offensive était venu, et l'ennemi allait vite en ressentir les effets. Bien que témoins de leur propre revers, les Nécrontyres parvinrent difficilement, dans un premier temps, à concevoir ce qu'il était en train d'arriver. Les événements auxquels ils assistaient leur apparaissaient tout bonnement impossibles. Les armadas ennemies, aperçues dans un secteur de la galaxie, se retrouvaient ainsi, en à peine quelques jours seulement, à des années-lumière de là. Utilisant la toile pour se déplacer à travers le monde immatériel, les flottes des anciens se déplaçaient d'un bout à l'autre de la galaxie à une vitesse incompréhensible. Là où un système se trouvait assiégé, ces derniers intervenaient à la vitesse de l'éclair pour porter secours aux défenseurs. Là où les armées des Nécrontyres étaient aperçues, les armadas des anciens se rassemblaient pour surgir sur celle-ci et renverser en un instant le rapport de force avant de repartir, à peine la bataille terminée, vers d'autres théâtres d'opération à travers les immenses portails de la toile. Alors que les premiers mois de leur offensive les avaient amenés à croire en la victoire, ceux qui suivirent firent réaliser aux Nécrontyres leur impuissance. Rapidement, tout espoir s'envola, et bientôt, les envahisseurs ne purent que réaliser avec effroi les conséquences de leurs actes. Les flottes encore présentes au cœur des domaines de l'ennemi furent bientôt pourchassées et annihilées. De celles-ci, il ne demeurait que les carcasses des milliers de bâtiments laissés à flotter dans le vide intersidéral. Ces défaites faisaient apparaître plus clairement que jamais aux Nécrontyres l'image si sombre qu'ils s'étaient faite d'eux-mêmes au regard de la brillante civilisation des anciens. Une civilisation qu'ils en étaient venus à exécrer. Cette image, ils avaient bien essayé de l'effacer en forçant le sort, mais le constat était là. La supériorité de leur ennemi confirmait une fois encore leurs peurs les plus secrètes. Le sort serait à jamais contre eux, et leurs efforts demeureraient à jamais insuffisants. Ne pouvant qu'acter la débâcle de ses forces, le Triarcat n'eut d'autre choix que de se résoudre à ordonner la retraite. L'annonce de ce repli ne contenta toutefois pas les anciens. Ils n'entendaient pas en rester là, et allaient faire en sorte que, jamais plus, les Nécrontyres ne soient en mesure de leur nuire, ni à eux, ni à leurs alliés. Cherchant à parachever la démonstration de leur toute-puissance, ils se lancèrent ainsi, à l'assaut du présomptueux Empire, n'entendant s'arrêter qu'une fois le cœur de celui-ci atteint. Les lignes de défense de l'ennemi tombèrent alors les unes après les autres, au terme d'une résistance aussi vaillante qu'inutile. Les forces Nécrontyres en déroute tentèrent bien d'apporter leur aide aux différents systèmes assaillis.
mais leurs contre-attaques se soldèrent toutes par de cuisantes défaites. La puissance des assaillants était bien trop grande et emportait tout sur son passage. La majorité des grandes dynasties disparurent, des milliers de mondes furent rasés, et il est impossible de calculer le nombre de morts engendrés par ces siècles de massacres. La pénitence des Nécrontyres n'allait cependant pas s'arrêter là, et il allait maintenant falloir boire le calice jusqu'à la lie. Alors que la situation ne pouvait être pire, les choses s'aggravèrent pourtant quand les guerres de sécession reprirent au sein de ce qu'il restait de l'Empire. Plusieurs des grandes dynasties tentèrent de se rebeller contre le Triarcat pour sauver ce qui pouvait encore l'être et tenter de faire la paix avec les anciens. Suite à des décennies de luttes internes et aux innombrables défaites subies, l'Empire était en ruine, brisé, un fragment ridicule de ce qu'il avait autrefois été. La guerre était maintenant terminée et la défaite était totale pour les Nécrontyres. D'un empire gigantesque qui avait mis des millénaires à être bâti, il ne restait désormais plus rien. Comble de l'humiliation, les anciens forcèrent leurs ennemis à battre en retraite si loin que ceux-ci se retrouvèrent bientôt à défendre le dernier et unique système sous leur contrôle. Un système baigné par la lueur d'un astre maudit. Là où tout avait commencé et où tout se terminerait. Là où les Nécrontyres étaient nés et où ils allaient mourir. Leur flotte et leurs armées annihilées, leur société au bord de l'anarchie, les anciens savaient que les Nécrontyres n'étaient plus une menace et que jamais ils ne se remettraient d'un tel cataclysme. Au lieu de les achever, ceux-ci les prirent en pitié, sachant pertinemment qu'ils pourraient les écraser quand ils le souhaiteraient. Les anciens laissèrent alors leurs ennemis à leur lente agonie. Plusieurs milliers d'années s'étaient écoulées suite à l'humiliation subie par les Nécrontyres lors de la guerre céleste. Reclus dans leur système solaire d'origine, ceux-ci demeuraient comme emprisonnés sur les quelques mondes encore sous leur contrôle. Brisés et apeurés à l'idée de déclencher la colère des anciens, ils vivaient tels des fantômes, errant misérablement à travers les nécropoles cyclopéennes bâties par leurs ancêtres. Le glorieux passé de cette race, parvenu à bâtir un gigantesque empire à travers les étoiles, n'était plus qu'un lointain souvenir qui s'obscurcissait chaque jour un peu plus. Des millénaires passés isolés de tout, à vivre dans la peur et dans la honte, transformèrent l'âme des Nécrontyres. Le chagrin fit alors place à la haine, une haine dévorante envers tous les êtres vivants de la galaxie, envers tous ceux à les avoir humiliés et méprisés, envers la vie elle-même pour l'injustice de leur existence. C'est à cette époque que naquit Zarek, un être qui prendrait le funeste nom du dernier des rois silencieux. Décrit comme un monarque sage, possédant une intelligence exceptionnelle, celui-ci régnait avec tristesse sur les misérables vestiges de l'Empire. Chaque jour, il observait lentement et inéluctablement le peuple de ses glorieux ancêtres sombrer un peu plus vers le néant. Bientôt, les Nécrontyres ne seraient plus, et leur nom serait à jamais oublié. Zarek le savait, mais cependant, il ne pouvait se résoudre à accepter cette destinée si injuste. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Un groupe de scientifiques Nécrontyres, s'adonnant à des recherches sur le soleil de leur monde, firent une découverte troublante. Il semblait que, petit à petit, l'énergie de ce dernier était comme en train d'être drainée vers quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Jugeant ce fait impossible, des recherches plus abouties furent menées afin de découvrir l'origine du phénomène. Utilisant les prodigieuses technologies développées par leurs ancêtres au fil des siècles, les chercheurs continuèrent leurs travaux, jusqu'au moment où ils l'aperçurent. Une forme éthérée, une entité composée d'énergie pure, se trouvait comme accrochée à l'astre, tel un immense parasite. De qui ou de quoi pouvait résulter cette chose, nul ne le sut jamais. Même si une légende à Eldari raconte que les émanations psychiques des Nécrontyres avaient atteint une telle intensité sous l'effet de la haine qui les consumait, que celle-ci en était venue à agir tel un feu, dont l'incommensurable éclat avait attiré jusqu'à lui cette chose encore indéfinissable. Que cette histoire soit véridique ou non, les chercheurs ne purent cacher l'étonnement que leur procura leur première conclusion. À l'issue de leur analyse, la créature semblait en effet vieille de plusieurs milliards d'années, bien plus vieille encore que les anciens. Hélas, cette entité semblait être composée d'énergie pure et ne possédait pas de corps physique. Ils travaillèrent alors durant des mois, tentant de trouver un moyen pour communiquer avec elle. Et, au terme d'efforts colossaux, en vinrent à former un plan insensé. Peu de choses en sont connues, mais force est de constater que les Nécrontyres parvinrent dans un premier temps à attirer jusqu'à eux la mystérieuse entité. Une fois cette étape réalisée, ils s'employèrent alors à capter et à comprimer la colossale masse d'énergie pour ensuite la plonger dans de gigantesques cuves de nécrotherme bouillant. Des forces incompréhensibles furent alors compressées dans le métal vivant. Au fur et à mesure de cette fusion, l'âme de l'entité ne cessait de rugir de douleur en étant arrachée au monde immatériel.
Les flux d'énergie infinie, emmagasinés depuis des temps immémoriaux, se répandirent alors à travers ce nouveau corps. La créature rugit une ultime fois lorsque, dans une explosion d'énergie, telle la naissance d'une étoile, sa conscience se matérialisa dans le monde physique. L'être qui sortit de la cuve irradiait de puissance. Après quelques pas seulement, il s'immobilisa pour observer son corps. Ne pouvant comprendre ce qu'il s'était passé, celui-ci peinait à s'adapter à cette nouvelle existence et à toutes ces sensations inconnues qui l'envahissaient. Lorsqu'il leva enfin les yeux pour observer où il se trouvait, il constata que des milliers de pathétiques créatures se prosternaient devant lui en marmonnant d'étranges paroles. Il ne le comprit pas tout de suite, mais ces paroles étaient en réalité des prières. Des prières de ses fidèles pour celui qui reçut le nom de Octane, le dieu des étoiles. Il ne fallut que quelques semaines à Octane pour s'habituer à son corps de métal vivant. Son intelligence exceptionnelle lui avait bien vite fait réaliser les incroyables perspectives que lui offrait cette nouvelle existence. Ce corps physique, réceptacle d'une puissance hors de toute compréhension, lui promettait tant de nouvelles expériences, tant de nouvelles sensations exquises. Mais au-delà de toutes ces nouvelles envies, un désir brûlait en son âme, une faim dévorante, insatiable. Peu de temps après, Loctane fut amené devant le roi silencieux. Maniant la langue des Nécrontyres à la perfection, le dieu se présenta au régent sous le nom de Méphétran. Zarek observait l'être qui se présentait à lui. Un être au charisme insolent, ne laissant transparaître qu'une fraction de sa puissance. Tout de même assez pour, s'il l'avait souhaité, désintégrer n'importe quel mortel d'un regard. Cordial et charmeur, Loctane proposa au monarque de lui raconter son histoire. Acceptant, le roi silencieux fut bien vite stupéfait de ce qu'il apprit de son hôte. Méphétran fit le récit du passé de son peuple au roi, lui expliquant qu'il existait d'autres êtres tels que lui, disséminés à travers la galaxie. Étonné, Zarek apprit de son interlocuteur que les Ktan avaient eux-mêmes rencontré les anciens par le passé, et que cette rencontre avait mené à une terrible guerre. Défaits à l'issue de celle-ci, ils avaient été bannis par leurs ennemis, condamnés à errer sous ces formes éthérées à travers le cosmos pour l'éternité. De ces mots, personne ne peut dire la part de vrai et de faux. Toutefois, ce qui est en revanche certain, c'est que Loctane demanda humblement aux Nécrontyres de former une alliance afin de se venger de leurs ennemis communs. Tout d'abord intrigués par cette proposition, le roi et sa cour furent encore plus surpris par ce que leur offrait Méphétran en échange. À la race des Nécrontyres, ils ne donneraient rien de moins que ce qu'ils avaient toujours cherché, le secret de l'immortalité. Remerciant son hôte, le roi lui demanda du temps pour réfléchir à sa demande. Durant les mois qui suivirent, Zarek débattit de cette proposition avec les autres pharaons du triarcat ainsi qu'avec les nobles de sa cour. Seul Orican, l'astrologue de la cour, implora son maître de refuser cette offre, prédisant que l'alliance avec Loctane entraînerait peut-être une renaissance de la gloire des Nécrontyres, mais détruirait à jamais leurs âmes. Pourtant, désir et ambition finirent par outrepasser la prudence. Un an après la proposition de Méphétran, Zarek décida d'accepter, puis demanda à Octane quelles seraient les prochaines étapes à suivre. Celui-ci lui demanda alors d'être patient, avant d'ajouter en souriant que ses frères et sœurs étaient en chemin. Au cours des décennies qui suivirent, ils arrivèrent par dizaines. Impatients de pouvoir goûter aux délices et aux nouvelles sensations du monde physique que leur avait promis Méphétran, un à un, ils prirent possession de leur nouveau corps de métal vivant. Sans doute suivirent-ils les conseils de leurs frères, mais les autres Ktan transformèrent leur apparence physique afin de ressembler aux anciennes divinités Nécrontyres, représentées dans leurs antiques textes sacrés. De par leur apparence et leur pouvoir inouï, ceux-ci devinrent rapidement des dieux aux yeux des Nécrontyres. Chaque Ktan était adoré et servi par des cultes de centaines de milliers de serviteurs et de fanatiques. Peu d'entre eux nous sont connus. Mais certains, au regard des occurrences dans les récits à Eldari, semblaient occuper une place majeure au sein de leur panthéon, tels que Ygran Naya, dit le créateur de monde, Saranoga, l'étranger, Lian Nugor, l'écorcheur, Zarulash le potentat, Yashudra, ou encore Nyadrazata, l'enflammé. Une hiérarchie se dessina toutefois parmi les Ktan. Trois d'entre eux, Azagorod, le Nightbringer, Magladros et Méphétran exerçaient toutefois un ascendant certain sur le reste de la fratrie. Le premier n'était autre que le dieu de la mort, des ténèbres et de la destruction, celui par qui tout s'achevait. Magladros, nommé aussi le dragon du vide, était quant à lui connu pour sa force incommensurable, sans doute le plus puissant des Ktan.
tandis que le dernier, qui prendrait plus tard le surnom du trompeur, apparaissait, en dépit de son caractère chétif, comme le plus habile de ses frères et sœurs. Un être qui deviendrait connu comme le dieu de la ruse, du mensonge et de la tromperie. Au cours des décennies qui suivirent l'arrivée des K'tan, ceux-ci, via leur capacité exceptionnelle, aidèrent les Nécrontyrs à développer de nouvelles et prodigieuses technologies, accentuant ce faisant l'émerveillement que ceux-ci vouaient à leur égard. Durant cette période, les dieux des étoiles partagèrent leurs connaissances à leurs alliés, afin de concevoir des armes à la puissance extraordinaire, ainsi que des vaisseaux capables de se déplacer à une vitesse prodigieuse. Petit à petit, les K'tan préparaient leurs armées pour la guerre à venir contre les anciens. Celle-ci serait sans commune mesure, une guerre insensée et totale. Peut-être qu'à travers celle-ci, les dieux des étoiles désiraient réellement se venger des anciens. Mais il est fort probable que la vraie raison derrière ce conflit était la promesse d'un festin à nul autre pareil. Depuis le temps où ils dévoraient les énergies fades et ternes des étoiles, la faim insatiable qui les animait ne les avait jamais quittés. Or, le corps que leur avaient donné les Nécrontyrs leur avait permis de goûter aux plaisirs et aux sensations du monde matériel. Ils avaient alors découvert des mets bien plus exquis que tout ce qu'ils avaient consommé jusque-là. L'âme et les énergies vitales des mortels étaient un régal sans commune mesure. Et s'il y avait bien une chose dont la galaxie ne manquait pas, c'était bien d'âme à consommer. Toutefois, avant de débuter ce festin sans fin, les K'tan avaient prévu pour leurs alliés une dernière surprise. Après tout, comme convenu, ils devaient tenir le pacte qu'ils leur avaient fait. Alors que les Nécrontyrs attendaient impatiemment que leur dieu vienne comme promis leur apporter le secret de la vie éternelle, d'immenses installations étaient en train d'être érigées par les masses de serviteurs au service des K'tan. Lorsque celles-ci furent finalement achevées, Mephetran informa les grandes dynasties que le processus de biotransfert pouvait commencer. Des millions de Nécrontyrs, parmi les classes les plus misérables, furent alors conduits au cœur des immenses installations. Nul ne sait précisément ce qu'il s'y déroula, mais les fournaises ne cessèrent jamais de fonctionner au cours des semaines qui suivirent. Les épais murs des usines de biotransfert étouffaient les hurlements de douleur de ces pauvres êtres qui se voyaient être dépouillés de leur chair et de leur âme. Lorsque ceux-ci ressortirent, comme convenu, les K'tan avaient supprimé la faiblesse de leur chair, pour en faire des machines froides et immortelles composées de nécrodermes. Après eux, ce fut au tour des guerriers, des membres des castes supérieures, et enfin des nobles. Zarek, ne réalisant pas ce qu'il avait accepté, et pensant que Mephetran avait tenu sa parole, ne comprit qu'en sortant lui-même du processus de transfert ce qu'il avait fait. Son corps était maintenant fort, puissant, presque indestructible, mais au-delà de ça, il ne ressentait dorénavant plus rien. Plus aucune sensation. Sa conscience demeurait, mais ses émotions avaient disparu. De celle-ci, il ne restait que des échos lointains de ce qu'il avait pu ressentir de son vivant. Son âme lui avait été enlevée, et pourtant, ce qu'il restait de son être pleurait en réalisant ce qu'il avait fait. Les K'tan s'étaient joués tout du long de ces pathétiques créatures qui, dans leur désespoir, les avaient pris pour des dieux. Ils avaient observé en se moquant ces êtres pitoyables se jeter d'eux-mêmes dans les fournaises de biotransfert. Et ils avaient pris un immense plaisir en dévorant les énergies vitales et les corps de chacune d'entre elles. Cet acte ignoble ne leur avait toutefois pas suffi, car après s'être délectés de ce repas, ils avaient poussé l'humiliation à son paroxysme, afin de faire de leurs victimes leurs serviles esclaves. Chaque Nécrontyr à être passé par les usines de biotransfert s'était vu transformé en une créature de métal immortelle. Les plus faibles et les plus misérables ne reçurent que des corps faits pour la guerre, dépourvus de toute conscience, de toute forme d'intelligence, de simples pantins sans âme. Seuls les nobles et les membres importants des dynasties avaient pu conserver une part de leur intelligence et de leurs souvenirs de leur vie passée. Amusés, les K'tan avaient poussé le vice afin d'empêcher leurs esclaves de se rebeller les uns contre les autres, comme ils l'avaient déjà fait tant de fois par le passé. Au sein de chaque Nécrontyr avaient été implantés des protocoles de commandement, empêchant tout être de se rebeller contre un membre de rang supérieur. Ces pauvres créatures, qui avaient tant voulu demeurer unies, avaient vu leurs vœux être exaucés par leur nouveau maître. Jamais plus, les dynasties ne se feraient la guerre. Toutes demeuraient éternellement soumises aux ordres du triarcat et du roi silencieux. Zarek observait avec une tristesse infinie ce qu'il avait fait à son peuple en voulant l'aider. Quand finalement la douleur fut trop forte, lorsqu'il ne put faire face à la souffrance, son esprit trouva refuge dans le seul endroit possible en se laissant envahir par la haine. Une haine brûlante, envers toutes et tous, envers tous les êtres vivants, envers la vie elle-même et surtout envers soi-même. Le dernier des rois silencieux s'en fit alors la promesse. Anciens, K'tan, Eldar, ainsi que tous les autres races de la galaxie, ils allaient tous payer. Zarek s'était battu et avait cru. Cru en l'espoir que son peuple connaîtrait des jours meilleurs. Il s'était trompé et avait échoué. Il savait les Nécrontyrs désormais perdus, ayant été pris une nouvelle fois, une fois de trop,
au piège de leurs illusions. Dans un ultime effort, le roi décida d'acter de lui-même la mort de cette race à laquelle il avait consacré comme tant d'autres sa vie. Désireux une dernière fois d'exprimer cette liberté si précieuse aux siens, respectueux de la mémoire de ses ancêtres, peut-être soucieux de ne pas les associer à ce qu'il allait suivre, il abandonna le nom des Nécrontyr. Et ce faisant, marqua la fin de l'incroyable périple des membres de ce peuple maudit. Ces derniers allaient laisser place aux Nécrons, un peuple qui, fruit de millénaires de souffrance et d'humiliation, n'existerait désormais plus que pour haïr et pour obtenir sa vengeance. Cet ultime acte accompli, le vent se leva sur la planète éprouvée et la guerre céleste débuta. En l'espace d'un instant, un peuple tout entier fut sacrifié afin d'assouvir la faim démesurée de Dieu qu'ils avaient cru être leur sauveur. L'énergie vitale, comme l'âme de chacun de ses membres, fut ainsi consumée sans aucune pitié. Les faibles, les malades et les plus jeunes, considérés comme inutiles au dessein des K'tan, finirent quant à eux dévorés dans le seul but d'assouvir un tant soit peu l'insatiable appétit de leur sombre maître. Méphétran, quant à lui, observait avec un immense plaisir le bon déroulement de son plan. Celui-ci ne pouvait toutefois s'empêcher de rire, en repensant à la naïveté de ces pathétiques créatures qui s'étaient jetées à ses pieds dans l'espoir de pouvoir un jour échapper à la souffrance et à la tragédie de leur existence. De ce peuple fier, qui avait eu à surmonter tant d'épreuves et qui, à force de persévérance et de courage, était parvenu à bâtir un immense empire, il ne restait désormais plus rien, si ce n'est le souvenir de ce glorieux passé. Les Nécrontyr n'étaient plus, et seuls, désormais, demeuraient les Nécrons, une race condamnés à servir pour l'éternité leur maître et bourreau. Alors que les K'tan préparaient leurs armées pour la guerre à venir, Zarek, lui, contemplait avec une tristesse infinie ce qu'il était advenu de son peuple. Chaque jour, il observait ses congénères être humiliés en servant ceux à leur avoir tout pris. Bien qu'il ne pouvait accepter ce destin et que ce qu'il restait de lui refusait de se soumettre, il ne put toutefois se résoudre à agir. Lorsque le corps du dernier des rois silencieux avait été transformé lors du processus de biotransfert, celui-ci n'avait étonnamment pas reçu les protocoles de commandement qui avaient été implantés à ses sujets. Le monarque avait alors soupçonné que les K'tan lui avaient laissé sa liberté pour se moquer de lui. Les dieux savaient que face à leur puissance, les Nécrons et leurs pathétiques rois n'étaient rien de plus que de vulgaires insectes appelés à être les serviles outils des desseins de leur nouveau maître. Pire, Zarek en était venu à croire que ces derniers se délectaient de la torture qu'ils s'infligeaient en observant ce à quoi il avait réduit son propre peuple. Chaque jour, celui-ci espérait trouver le courage de rompre les protocoles de commandement de ceux sous ses ordres, et chaque jour lui rappelait sa lâcheté. Malgré le dégoût qu'il ressentait envers lui-même, le roi silencieux ne put toutefois se résoudre à briser les protocoles. Peut-être en était-il venu à se convaincre qu'il en était mieux ainsi, que toute rébellion serait irrémédiablement vouée à l'échec, et que celle-ci mènerait à l'annihilation définitive des siens. Pourtant, en dépit de cet implacable constat, il ne parvenait pas à s'ôter de l'esprit que s'il ne faisait rien, c'était peut-être plus simplement pour ne pas avoir à répondre de ses actes auprès de ses sujets pour les maux qu'il avait infligés à son peuple. Durant les années qui suivirent, les préparatifs pour la guerre à venir continuèrent, jusqu'au moment où les Nécrons furent fin prêts. Malgré la haine que les représentants des grandes dynasties vouaient à leur maître, ceux-ci ne pouvaient toutefois cacher leur impatience à l'idée de pouvoir se venger des anciens pour l'humiliante défaite qu'ils avaient subie des millénaires auparavant. Les K'tan, quant à eux, étaient désireux de pouvoir goûter au plaisir que leur promettait le festin à venir. La galaxie allait brûler, et les âmes des innombrables créatures mortelles qui la peuplaient seraient un repas plus exquis que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Des millénaires s'étaient écoulés depuis la première guerre céleste. Des millénaires de paix qui avaient vu la vie se développer à nouveau au sein du halo des étoiles. De nouvelles espèces y étaient apparues et y avaient prospéré. Et nombreux avaient été les mondes qui avaient composé les vastes domaines de l'Empire Nécrontyr à avoir fini par être colonisés par les alliés des anciens. Le passage du temps avait presque fait oublier aux nouvelles générations que ces mondes, qui étaient devenus leurs, avaient autrefois appartenu à cette ancienne et puissante race. Une race qui, selon les récits qui leur avaient été transmis, avait été vaincu suite à une terrible guerre de plusieurs siècles.
Des faits, les représentants de ce peuple maudit avaient été condamnés à agoniser lentement au cœur du système à les avoir vus naître. Au fil des siècles, l'histoire des Nécrontyres se mua en légendes. Les légendes devinrent des mythes. Et, finalement, vint le moment où il ne resta bientôt plus personne pour se rappeler de l'existence de ce peuple déchu, victime à son tour de l'implacable marche du temps. Leur histoire, celle des vaincus, avait été réécrite, déformée, puis finalement oubliée par les vainqueurs, pour qui celle-ci ne représentait dorénavant plus rien. Mais cette fois, l'histoire, comme pour mieux contredire ceux qui voulaient lui imposer des lois, n'allait pas s'arrêter là. La marche du temps allait reprendre là où il y a des milliers d'années de cela, elle s'était arrêtée. Du foyer que l'on croyait à jamais éteint, des braises subsistaient, et de celle-ci, le feu d'une guerre immémoriale allait renaître. Surgissant des abysses, les immenses vaisseaux-tombes des Nécrons se propagèrent au cœur de leurs anciens domaines. Désireux d'obtenir leur vengeance, les représentants de ce peuple maudit étaient allés jusqu'à tout sacrifier pour atteindre leur but. Ceux-ci allaient faire en sorte que jamais plus, personne, et surtout pas leurs anciens ennemis, n'oublient leur nom. Les grandes dynasties se jetèrent alors à l'assaut des mondes sous contrôle des différentes espèces à avoir osé souiller de leur présence les royaumes de leurs ancêtres. Si la première guerre céleste avait été un massacre comme la galaxie n'en avait encore jamais vu, la seconde allait quant à elle faire oublier la précédente, de par sa proportion démesurée et l'ampleur du carnage qu'elle allait causer. Animés d'une haine glaciale, les Nécrons exterminèrent sans aucune pitié les défenseurs de ces mondes. Chaque cité, chaque ville, chaque village furent réduits en cendres. Les hommes, femmes et enfants qui y vivaient furent quant à eux massacrés jusqu'au dernier. Ce n'est que lorsqu'ils furent certains qu'il ne restait plus rien, que plus aucune trace de vie ne subsistait, que les légions des Nécrons rembarquèrent dans leur titanesque vaisseau-tombe afin de partir continuer la purge de leur ancien empire. Les vaillants défenseurs tentèrent bien de repousser leurs assaillants, mais ceux-ci ne purent toutefois rien faire. Bien que possédant une technologie hautement avancée, la force de l'ennemi qu'ils affrontaient semblait hors de toute compréhension. Ceux-ci semblaient inarrêtables, implacables, comme insensibles à toute forme de fatigue ou de douleur. L'esprit de ces guerriers paraissait ne connaître aucune peur, aucun doute, comme si ceux-ci ne ressentaient désormais plus rien. La vue de ces armées de métal avançant froidement et silencieusement vers la bataille était une vision terrifiante pour leurs adversaires. Seule la lueur verte et glaciale dans leurs regards trahissait la trace d'une émotion encore présente chez ces êtres. Un regard reflétant les dernières sensations que ces pauvres créatures avaient ressenties de leur vivant. Un regard fou où haine, mépris et chagrin s'entremêlaient. Leurs armes étaient en outre d'une puissance incommensurable. Les lances et épées à énergie qu'ils utilisaient fendaient ainsi n'importe quel blindage avec une facilité déconcertante. Mais, bien souvent, ceux-ci ne prenaient même pas la peine de venir se battre au corps à corps, préférant annihiler leurs ennemis sous un déluge de projectiles. Des guerriers assez courageux pour leur faire face furent quant à eux désintégrés par les tirs des canons Gauss et autres armes à plasma de leurs adversaires. Suite à leur massacre, les Nécrons reprenaient leur lente et implacable marche, écrasant sous leurs pas lourds les cendres de ces êtres qui avaient été assez fous pour s'opposer à eux. Toutefois, plus terrifiant que la puissance de leurs armes, plus impressionnant encore que leur volonté inébranlable, ce fut la résilience incroyable des envahisseurs qui ne manqua pas d'étonner ceux à les avoir affrontés. Ces guerriers étaient d'autant plus redoutables qu'ils apparaissaient comme insensibles aux coups qu'ils recevaient. Les manipulations opérées par les Ktan avaient en effet amené ces derniers à doter leurs nouveaux serviteurs de corps quasiment indestructibles à la technologie prodigieuse. Leur peau de nécroderme se régénérait d'elle-même après chaque blessure infligée. Plus incroyable encore, lorsqu'un guerrier Nécron était sur le point d'être détruit, un protocole d'urgence s'activait afin de le téléporter dans un flash de lumière verte au sein d'immenses cryptes de stase pour y être réparé. Les dieux des étoiles avaient fait en sorte que leurs esclaves ne puissent même pas trouver une délivrance dans la mort, les condamnant ainsi à les servir pour l'éternité. Cependant, il arrivait qu'en de rares occasions, lorsqu'un guerrier subissait d'immenses dégâts, son corps n'avait pas le temps de se téléporter. La seule autre façon de vaincre définitivement les légions des Ktan était de détruire les cryptes de stase protégeant leurs serviteurs en train de régénérer de leurs blessures. Celles-ci étaient bien souvent hautement protégées au cœur des titanesques vaisseaux-tombes de leur flotte ou enfouies dans les tréfonds de leur forteresse souterraine. Les premiers mois du conflit virent ainsi les Nécrons infliger défaite sur défaite à leurs ennemis, reprenant ainsi petit à petit le contrôle des différents systèmes aux alentours de leur monde natal. Les anciens eux-mêmes ne purent cacher leur étonnement en voyant se succéder les rapports et les demandes de secours en provenance de leurs alliés. Bien que stupéfaits en constatant que les Nécrontyres étaient de retour, ceux-ci ordonnèrent le déploiement d'un grand nombre de leurs flottes stationnées dans le halo des étoiles en vue de régler ce problème une fois pour toutes.
Mais ce que les anciens n'avaient toutefois pas encore pleinement réalisé, c'est que leurs ennemis avaient bien changé depuis le temps où ils avaient eu à les affronter. Ravis de la tournure des événements, les Tan, quant à eux, demeuraient tapis dans l'ombre, cachés au sein des flottes de leurs dociles serviteurs, en attente de la confrontation tant espérée. Lorsque les flottes des anciens arrivèrent au cœur des systèmes assaillis par les Nécrons, ils ne trouvèrent que mort et désolation. En l'espace de seulement quelques mois, des peuples qui avaient mis des millénaires à se développer avaient été exterminés. Sur les mondes qui avaient autrefois été leur foyer, régnait désormais un silence de mort. Un silence que seul le bruit du vent balayant les plaines calcinées venait interrompre par instant. Ailleurs, des soleils avaient été éteints sous les coups des terrifiantes armes de l'armada Nécron. Les ténèbres s'étaient alors emparées de systèmes entiers, condamnant irrémédiablement les planètes qui les composaient à geler dans une obscurité dont ils ne sortiraient jamais. Les mondes qui, quant à eux, avaient subi il y a peu les assauts des Nécrons avaient été laissés à leur lente agonie. Baignés par la lueur maladive de leurs étoiles mourantes, les vestiges des anciennes cités qui en avaient autrefois recouvert les surfaces n'étaient plus que des ruines laissées à l'abandon. Où qu'ils aillent, le constat était à chaque fois le même. Tout ceci n'était que folie. Les anciens avaient déjà pu observer les erreurs de la guerre au cours de leur longue existence, mais ce qu'ils voyaient maintenant n'avait aucun sens. Cette guerre semblait n'avoir aucun but, aucune logique. Celle-ci ne semblait servir à aucune ambition de conquête, car nulle forme de vie n'aurait pu survivre sur ces mondes suite à ce que les Nécrons y avaient fait. Cependant, leurs anciens ennemis avaient bien changé depuis leur dernière rencontre. Habitant dorénavant des corps de métal froid et sans âme, les Nécrons ne se souciaient désormais plus de ces problèmes propres mortels. Leur préoccupation n'était pas de bâtir un nouvel empire, mais bien d'assouvir leur haine contre tous ceux à les avoir pris de haut et humiliés. Depuis les premiers jours de leur existence, ils avaient eu à vivre au sein des ténèbres qui les entouraient. Et, dans leur vengeance, ils étaient bien décidés à amener toutes les formes de vie de la galaxie avec eux dans les abysses. Lorsque Zarek eut vent de l'arrivée des anciens, celui-ci ordonna au plus gros de sa flotte d'aller à leur rencontre. Bien que son visage de métal ne reflétait plus aucune émotion, le dernier des rois silencieux ne pouvait cacher son impatience à l'idée de retrouver ce qu'il voyait comme les responsables des malheurs de son peuple. Le moment que les Nécrons avaient tant attendu était enfin arrivé. Après des millénaires à vivre dans la honte, ils allaient pouvoir laisser parler toute leur haine pour ceux à avoir causé leur déchéance. Quand les anciens entrèrent finalement dans le système où les Nécrons les attendaient, les différents pharaons à la tête de la flotte reçurent l'ordre de leur roi de se déployer de façon à faire face à l'immense armada qui venait vers eux. Une bataille comme la galaxie n'en avait encore jamais vu débuta alors. Ne pouvant contenir davantage leur rage à la vue de leurs anciens ennemis, les pharaons ordonnèrent sans attendre à leurs troupes de passer à l'assaut. Durant les heures qui suivirent, les canons des deux flottes ne se turent jamais. À chaque instant, des dizaines de vaisseaux composant les deux armadas étaient détruits par le déluge de projectiles à plasma et de tirs à énergie s'abattant de part et d'autre. À la perte de chacun de ces vaisseaux, des dizaines de milliers de vies étaient emportées dans le vide sombre et glacial de l'espace. Lorsque les anciens constatèrent avec effroi les pertes subies lors des premiers instants de la bataille, cela leur fit réaliser que les ennemis qui leur faisaient face n'étaient plus les mêmes que ceux qu'ils avaient connus des millénaires auparavant. Les vaisseaux qu'ils combattaient étaient dotés d'une technologie prodigieuse. Alors que durant la première guerre céleste, ils avaient pu facilement prendre le dessus sur les Nécrontyrs via la puissance de leur flotte, les Nécrons faisaient désormais jeu égal avec eux. Leurs bâtiments étaient rapides et possédaient de solides blindages. Mais plus que leur résistance, la puissance des armes qu'ils employaient dépassait tout entendement. Stupéfaits en voyant que les flottes de ceux qu'ils avaient vaincus si facilement il y a de cela des millénaires pouvaient rivaliser avec la puissance de leurs armadas, les anciens n'étaient toutefois pas au bout de leur surprise. Ce n'est que lorsque les premiers rapports mentionnant l'abordage des différents vaisseaux par les Nécrons arrivèrent que les anciens comprirent à quel point leurs vieux ennemis avaient changé. Les êtres qui faisaient face à leurs troupes étaient dotés d'une résistance incroyable et d'une puissance de feu sans commune mesure. Et, comme l'avaient constaté leurs alliés avant eux, ces guerriers étaient effrayants, avançant sans relâche, sans un bruit, massacrant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Le carnage continua ainsi durant des jours. Cependant, malgré la puissance terrifiante des Nécrons, les anciens possédaient eux aussi de fiers combattants, dotés d'armements et d'armures façonnées par de prodigieuses technologies. Bien que le nombre des morts ne cessait d'augmenter dans leur rang au fil des jours, les anciens parvenaient encore à tenir un tant soit peu face à leurs adversaires. Mais alors que la situation était déjà critique, tout espoir de repousser leurs ennemis disparut lorsqu'ils arrivèrent.
des êtres à la force inconcevable se matérialisèrent au sein des plus importants vaisseaux de la flotte. Irréels, terrifiants, impossibles, telles furent les pensées de ceux qui eurent à croiser leur chemin. Tels des dieux faisant face à de pitoyables mortels, ces créatures avançaient sans crainte sur le champ de bataille, comme si ceux-ci savaient n'avoir rien à craindre de ceux à se dresser sur leur chemin. Pire que cela, ils semblaient même s'amuser de la situation, tout en se délectant de la mort qu'ils semaient sur leur passage. Ces êtres paraissaient inarrêtables, intouchables. Les tirs d'armes pourtant si puissantes qu'elles auraient détruit facilement n'importe quel blindage semblaient n'avoir aucun effet sur eux, comme si ceux-ci ne parvenaient même pas à les atteindre. Ceux qui eurent à les affronter ne purent toutefois que réaliser avec désespoir leur impuissance. Les pouvoirs de ces créatures étaient prodigieux, et la vitesse avec laquelle elles se déplaçaient paraissait irréelle, comme si l'espace-temps se déformait en leur présence. Plus effrayant encore, la matière elle-même semblait se plier à leur volonté. Les murs s'éventraient sur leur passage, et d'une simple pensée, ils étaient à même de comprimer ou de désintégrer des véhicules de plusieurs tonnes. Leur puissance était telle que rien ne semblait à même de les arrêter. Seuls les feux les plus nourris parvenaient un tant soit peu à faire reculer ces créatures, qui, suite à ce répit bien éphémère, revenaient à la charge en riant, tout en déchaînant leur pouvoir sur leurs adversaires. Issus des forces colossales qu'ils avaient emmagasinées depuis des temps immémoriaux, les K'tan faisaient pleuvoir sur leurs ennemis des vagues d'énergie pure qui ne laissaient derrière elles que les cadavres calcinés de ceux à avoir eu la malchance de se trouver sur leur chemin. Causant la mort partout où ils passaient, ces monstruosités semblaient se délecter de la souffrance qu'ils engendraient, appréciant, tel un mets délicat, l'âme et les énergies vitales de ceux qui venaient de périr de leurs mains. Suite à leur arrivée, la bataille se transforma en un terrible massacre où les Nécrons et leurs sombres maîtres laissèrent parler leur soif de sang. Les légendes racontent ainsi que nul vaisseau de la flotte des anciens envoyé mettre fin aux actions des Nécrons ne revint jamais du halo des étoiles. Lorsque la nouvelle de cette débâcle parvint aux plus hautes instances de l'Empire, ceux-ci ne purent tout d'abord croire que leurs armées avaient été vaincues. Jusqu'ici, la galaxie avait été leur et jamais ils n'avaient connu pareille situation. Toutefois, bien que des faits, l'Empire des Anciens demeurait extrêmement puissant, et celui-ci, désormais parfaitement conscient du danger représenté par les Nécrons, était bien décidé à prendre sa revanche sur cet ennemi à qui il entendait montrer toute l'étendue de sa puissance. Suite aux défaites infligées aux flottes envoyées pour les arrêter, les Nécrons, sous les ordres de Zarek, reprirent la purge de leur ancien domaine, anéantissant méthodiquement toutes les formes de vie qu'ils rencontrèrent. Cependant, il ne fallut pas longtemps aux anciens pour réagir. Ceux-ci, bien résolus à régler ce problème une fois pour toutes, envoyèrent davantage de leur flotte stopper l'avancée de leurs ennemis dans le halo des étoiles. Toutefois, les premières défaites subies leur avaient fait réaliser la puissance de leurs adversaires. Reproduire la même tactique en tentant un assaut frontal afin d'en finir rapidement aurait été une idée insensée. Au lieu de cela, les anciens prirent la décision de reconduire les choix qui s'étaient révélés si profitables lors de la première guerre céleste, entendant désormais, une nouvelle fois, jouer sur l'extrême mobilité que la toile était en mesure de conférer à leur flotte. Celle-ci permettrait à leurs armadas, comme par le passé, de surprendre les forces adverses, de les diviser et enfin, une fois isolées, de les attaquer en forte supériorité numérique. Pendant un temps, la réorientation stratégique donna pleine satisfaction, permettant d'infliger de nombreuses défaites aux Nécrons au cours des mois qui suivirent. Mais alors que les armées des anciens engagées dans le halo des étoiles reprenaient confiance quant à leurs chances de victoire, les choses prirent une tournure inattendue. La nouvelle création des K'tan était finalement achevée, et leurs ennemis allaient bientôt réaliser avec effroi la situation dans laquelle ils se trouvaient. Depuis qu'ils avaient planifié la reconquête de leur ancien empire, les Nécrons savaient qu'ils allaient devoir à nouveau faire face à la prodigieuse technologie développée par les anciens. Pourtant, malgré la puissance terrifiante qu'ils avaient récemment acquise, ceux-ci savaient qu'il serait toujours impossible de rivaliser face à un ennemi capable de déplacer ses flottes à une telle vitesse à travers la galaxie. Si la toile ne pouvait être contrée, alors la défaite serait inévitable. Les dieux des étoiles, mis au courant de l'existence de celle-ci, s'employèrent alors à développer une parade. Bien que possédant une intelligence prodigieuse, ils furent toutefois incapables de reproduire une création aussi extraordinaire, et, après plusieurs échecs, réorientèrent leurs recherches afin de trouver le moyen de la corrompre. Impatient d'apporter mort et destruction au cœur des domaines des anciens, ce fut Niadrazatal enflammé qui trouva la possibilité de retourner la toile contre ses créateurs via l'invention des portails dolmen. Quasiment rien n'est connu au sujet de ceci, si ce n'est que ces portails de pierre vivante permirent de corrompre la création des anciens en créant des brèches afin de s'y introduire. Une fois en son sein, les flottes des intrus pouvaient alors utiliser à leur propre usage les tunnels interdimensionnels parcourant d'un bout à l'autre la galaxie.
Les anciens furent bientôt pris de panique en observant les premières intrusions au sein de la toile. Jamais ils n'auraient cru une telle chose possible. Bien que leurs ennemis étaient devenus puissants au fil du temps, et que les Tan possédaient une force terrifiante, ils n'avaient jusqu'alors jamais réellement représenté une menace sérieuse. Mais la corruption de la toile changeait tout. Si leurs ennemis pouvaient eux aussi l'utiliser, alors tout ce que les anciens avaient bâti menaçait de s'effondrer. La peur, pour la première fois, commença ainsi à s'immiscer dans leur esprit. Une peur qu'ils n'avaient jusqu'ici jamais connue. La peur d'être vaincus. Chaque jour, voyait de nouvelles brèches se former au sein de la toile. Tel un virus ne cessant de se multiplier, les flottes des Nécrons se répandaient au cœur de la dimension labyrinthique créée par leurs ennemis afin de s'en servir contre eux. Toutefois, l'utilisation que les Tan et leurs esclaves faisaient de ce réseau interdimensionnel restait limitée. Bien qu'en mesure de l'employer pour se déplacer à une vitesse faramineuse, ils découvrirent avec étonnement que la technologie développée par les anciens était encore plus incroyable que ce qu'ils avaient imaginé. Aussi impossible que cela puisse paraître, la toile, tel un immense organisme vivant, pouvait ainsi d'elle-même détecter l'ouverture d'une brèche en son sein, et ce faisant, activer automatiquement des mécanismes d'autodéfense en mesure de supprimer le parasite infectieux. Ainsi, lorsqu'un vaisseau intrus était détecté, il ne fallait que peu de temps pour que les tunnels qu'ils empruntent ne soient scellés, le condamnant ainsi à errer pour l'éternité au cœur de la dimension labyrinthique. Plus les voyages étaient longs, plus les vaisseaux ennemis prenaient le risque de voir le passage qu'ils parcouraient se refermer sur eux. Ce prodigieux mécanisme de défense conduisit à la destruction de nombreuses flottes Nécrons. Néanmoins, malgré les déconvenues, les Tan et leurs serviteurs continuèrent d'utiliser la toile à leur avantage, sachant ne pas avoir le choix s'ils souhaitaient vaincre. Les anciens, quant à eux, malgré le terrible revers qu'ils avaient subi et la panique engendrée par l'intrusion ennemie au sein de la toile, n'entendaient nullement se résigner, ayant désormais parfaitement conscience qu'ils se battaient dorénavant pour leur survie ainsi que pour celle de tous les peuples de la galaxie. Résolus à sauver ce qu'ils avaient bâti et à triompher, ils mobilisèrent toutes les ressources disponibles au sein de leur vaste empire. Ainsi, durant les siècles qui suivirent, la guerre fut ininterrompue, les deux camps se battant pour le contrôle de chaque région, chaque secteur, chaque planète au sein du halo des étoiles. Il est impossible de quantifier le nombre de morts causés durant cette période. Nous savons juste qu'un massacre sans nom se déroula. Un massacre qui vit la destruction de milliers de mondes et l'extinction de nombreuses formes de vie. Les armées des anciens se battirent avec courage durant cette période, tentant tout ce qu'il était possible pour faire reculer leurs ennemis. Chaque jour, de nouvelles flottes arrivaient de tout l'Empire pour se jeter immédiatement dans les flammes de la guerre. Il semblait cependant que malgré tous leurs efforts, rien n'apparaissait en mesure d'arrêter l'avancée des Tan et de leur légion. Le pouvoir de ces divinités était d'ailleurs particulièrement redouté. À chaque fois que l'un de ses représentants arrivait sur le champ de bataille, le cours de celle-ci était en effet immanquablement renversé. Les Nécrons, pour leur part, déversaient sans faiblir de nouvelles forces, au point de faire apparaître leurs ressources comme inépuisables. Peu importait des pertes reçues, il ne leur fallait que quelques jours pour reconstituer leur effectif et repartir à l'assaut. Leurs armées apparaissaient en outre n'avoir besoin de se reposer, ni même de se nourrir, semblant trouver dans la haine qui les consumait toutes les ressources dont ils avaient besoin. En dépit des innombrables massacres à destruction commis, rien, en effet, ne semblait en mesure d'assouvir leur soif de vengeance. Durant tout ce temps, les anciens continuèrent sans cesse de lutter. Hélas, subissant défaite après défaite, ils finirent par réaliser que même s'ils pouvaient toujours se battre, ils ne gagneraient pas cette guerre. Les siècles de luttes incessantes avaient fini par épuiser les immenses ressources de l'Empire. Les anciens, conscients qu'ils ne pourraient vaincre leurs ennemis, durent se résoudre alors à prendre l'une des plus difficiles décisions de leur histoire. Jusqu'ici, ils s'étaient toujours refusés à ne serait-ce qu'y penser. Toutefois, la situation était désormais désespérée, et ils savaient ne plus avoir le choix. Ceux-ci lancèrent ainsi un appel à l'aide à travers tout l'Empire, afin d'appeler toutes les espèces qu'ils avaient aidées et protégées à se battre à leur côté. Bientôt, la guerre au sein du halo des étoiles serait perdue. Et, alors, les Tan et leurs serviteurs se jetteraient à l'assaut des régions aux alentours. Sachant ce qu'ils devaient à ceux à les avoir guidés et protégés durant tout ce temps, sachant que le destin de la galaxie tout entière était en jeu, les différentes races composant l'Empire firent le choix de s'unir afin de se dresser contre les Nécrons et leurs maîtres. Comme les anciens l'avaient prévu, suite à la victoire des Tan et de leurs serviteurs dans le halo des étoiles, ceux-ci ne tardèrent pas à lancer leur flotte à l'assaut des régions en bordure de leur domaine. Aussi épouvantable qu'il fût, le carnage perpétré par les Nécrons jusqu'alors allait apparaître comme bien peu de choses au regard de ce qu'ils entendaient faire subir au monde composant les domaines des anciens et de leurs alliés. Les flammes de la guerre se propagèrent alors hors du halo des étoiles, embrasant sur leur passage les secteurs aux alentours et y consumant toutes les formes de vie qui s'y trouvaient.
Pourtant, les informations à notre disposition permettent difficilement de se rendre compte de ce qu'il advint lors de cet affrontement titanesque au cours duquel les différentes races de la galaxie, épaulées par les armées des anciens, luttèrent avec acharnement à travers toute la Voie lactée. Ce que nous savons toutefois, c'est que durant les siècles qui suivirent, ce carnage ne cessa jamais. Le temps passa et les siècles devinrent des millénaires. Des millénaires durant lesquels des générations entières naquirent et moururent dans le seul but d'être sacrifiées dans ce massacre sans fin. Un bain de sang dont l'échelle semble si grande, si démesurée, si inconcevable qu'il nous est impossible d'imaginer le nombre de morts qu'il causa. Hélas, malgré d'innombrables sacrifices et l'immense courage dont ils firent preuve, les défenseurs des secteurs assaillis ne furent jamais en mesure de stopper l'avancée de leurs ennemis. Ces millénaires de lutte causèrent bien des pertes aux envahisseurs, mais les technologies prodigieuses dont disposaient les sujets du roi silencieux permettaient à ceux-ci d'être quasiment immortels. Pire que cela, malgré les quelques revers infligés par leurs ennemis, la force terrifiante des Nécrons ne cessait de croître au fil du temps. Parallèlement aux combats en cours, les scientifiques des différentes dynasties n'avaient en effet jamais cessé de veiller à développer l'arsenal à disposition de leurs forces, en mettant au point de nouvelles armes telles que les terrifiants Canoptech, des serviteurs robotiques aux capacités phénoménales, ou des véhicules à la puissance effroyable, comme les destroyers ou encore les Arches du Jugement Dernier. Toutefois, aucune de ces créations n'égalait la puissance démesurée des monolithes. Des forteresses mobiles dotées d'une puissance de feu, à même de réduire à néant des armées entières. La vue de ces titanesques formes pyramidales avançant lentement vers le champ de bataille, tout en faisant pleuvoir un déluge de projectiles laser, était un spectacle si terrifiant que nombreux étaient les cas de panique et de désertion rapportés au sein des armées adverses. Dotés d'un arsenal toujours plus dévastateur, les Nécrons continuèrent sans relâche leur épuration de la galaxie, anéantissant méthodiquement chaque poche de résistance rencontrée durant leur conquête. Voyant que la victoire était proche, suite aux débâcles successives infligées aux anciens et à leurs alliés, la cohésion des différentes grandes dynasties commença cependant à se fracturer avec le temps. Les dieux des étoiles, désireux d'assouvir leur faim, se divisèrent et partirent accompagnés de leurs armées d'esclaves ravager les différentes régions de la galaxie. Bien qu'affaiblis par cette récente division, la dispersion des dynasties ne fit qu'accentuer la frénésie des massacres perpétrés. Chaque Tan à la tête de ses légions cherchait à profiter des derniers instants du conflit en dévorant le plus d'âmes possible avant l'effondrement final des anciens et de leurs alliés. Dans ce chaos croissant, seul Zarek parvint à préserver un semblant d'unité au sein des forces sous son contrôle. Chaque nouvelle conquête voyait les pharaons des différentes dynasties prendre un plaisir pervers à raser les cités des vaincus et à effacer toute trace de leur passé. Leur violence s'exacerbait comme pour mieux profiter du spectacle qui s'offrait à eux et qu'ils savaient sur le point de finir. Les hommes, les femmes et les enfants des races peuplant les derniers mondes encore sous le contrôle de leurs adversaires eurent ainsi à subir cette frénésie crépusculaire, se voyant ainsi sommairement exécutés ou rassemblés en vue d'être offerts en guise de repas aux dieux des étoiles. Le nombre d'espèces qui disparurent durant ces temps immémoriaux demeure inquantifiable. Pourtant, malgré cet épouvantable constat, malgré la gravité de la situation, tout n'était pas encore perdu. Depuis des siècles maintenant, au cœur des régions de la galaxie les plus éloignées du conflit, les anciens préparaient pour la guerre à venir deux des peuples chez qui ils avaient vu un immense potentiel. Toutefois, ce que ni les Ktan ni les anciens n'avaient perçu, c'est que durant tout ce temps, les âmes des innombrables victimes de la guerre n'avaient cessé de se déverser toujours plus nombreuses vers le Warp. Chaque jour, les émotions et les émanations psychiques des mortels ayant eu à subir tant de souffrances durant ces millénaires de massacres, de peur et de haine ne cessaient d'alimenter le grand océan. C'est alors que dans les tréfonds de celui-ci, des entités hors de toute conception humaine commencèrent à lentement s'éveiller. Suite à leurs innombrables victoires, les Ktan et les Nécrons étaient finalement parvenus à dominer la majeure partie de la galaxie. Seules les régions les plus éloignées du conflit et quelques bastions parsemés ici et là au sein de la Voie lactée continuaient à opposer une résistance. Les anciens n'en apparaissaient pas moins comme vaincus aux yeux des dieux des étoiles. Leurs alliés étaient à l'agonie et leurs armées, brisées, ne parvenant plus à contenir l'avancée des Nécrons, battaient en retraite toujours plus loin au cœur des vestiges de l'Empire. C'est à partir de ce moment que, étonnamment, les Ktan veillèrent à laisser survivre une partie des populations qui étaient tombées sous leur contrôle. La démarche ne manqua pas d'intriguer, mais l'on comprit bien vite que celle-ci n'était nullement le fruit d'un remords tardif. Les conquérants, estimant la partie sur le point de se terminer, effectuèrent une analyse cynique et terrifiante de la situation. Le conflit fini, les immenses massacres auxquels donnaient lieu chacune des victoires allaient eux aussi s'interrompre. Le temps de l'abondance était révolu, et il fallait désormais préserver le capital existant, en traitant les peuples vaincus, tels du bétail appelé à servir de garde-manger pour les temps à venir.
Les auteurs des crimes commis à l'encontre de ces malheureux apparaissent à première vue tous aussi répugnants les uns que les autres. Mais le comportement de certains pouvait amener à penser que même dans l'horreur, il pouvait exister une hiérarchie au sein de laquelle le dieu Azagorod, dit le Nightbringer, occupait sans conteste la première place. Avec lui, les plus infimes provocations au sein des peuples composant son immense empire pouvaient mener à d'impitoyables carnages. Sa fascination pour la mort et les souffrances qui la précédaient était connue de tous. Il semblait en effet comme s'amuser des maux qu'il infligeait aux populations qui avaient eu le malheur de tomber sous son contrôle. Chaque jour, des milliers d'êtres vivants subissaient les supplices les plus terribles et les plus humiliants afin d'assouvir ses plaisirs les plus pervers. Il n'en demeurait pas moins qu'en dépit de ces abominations, Azagorod, avec il est vrai le dragon du vide, apparaissait comme le plus puissant des Khtan. Celui-ci possédait une force aussi terrifiante que la perversité qu'il déployait vis-à-vis de ses victimes. Son ego, tout aussi maladif, avait fait naître la volonté de s'imposer comme le plus grand des Khtan. À cette fin, il cherchait constamment à accroître sa renommée au sein de la galaxie, où il entendait ainsi à ce que d'un bout à l'autre de celle-ci, tous reconnaissent sa souveraineté et tremblent à l'évocation de son seul nom. La quête du dieu des ténèbres ne manquait toutefois pas d'agacer ses frères, et c'est dans le cadre de cette rivalité permanente qui les opposait, pour savoir lequel d'entre eux aurait la primauté sur l'autre, qu'un événement inconnu vint déclencher une terrible guerre entre les dieux des étoiles. Nul ne sait ce qui fut l'élément déclencheur de ce conflit. Toutefois, deux théories pouvant l'expliquer nous sont connues. L'une d'entre elles, bien qu'elle soit nimbée de mystère, nous vient des anciens mythes rapportés par les Eldar. Celle-ci racontait que Ségorak le Moqueur, l'un des dieux de leur panthéon, après être allé à la rencontre du Khtan portant le nom de Tsaranoga, était parvenu à retourner ce dernier contre ses frères, en lui promettant que s'il les dévorait, celui-ci connaîtrait un plaisir si immense, si incroyable, qu'il éclipserait tout ce qu'il avait pu connaître jusqu'alors. La seconde hypothèse quant à elle, raconte que ce n'est pas Ségorak, mais Mephetran le Trompeur qui fut à l'origine de ce conflit. Ce dernier, jaloux du pouvoir de ses frères, et notamment du Nightbringer et du Dragon du Vide, aurait alors poussé les Khtan à s'entre-dévorer, en leur promettant, comme dans le récit des Aeldari, un plaisir incomparable à tout autre. De ces antiques histoires, il est bien difficile de démêler le vrai du faux. Ce qui est toutefois certain, c'est que suite à leur victoire sur les Anciens, le lien qui unissait jusqu'alors les dieux des étoiles se brisa, et qu'il en résulta une terrible lutte fraternelle. Une lutte qui allait à nouveau ravager une galaxie, d'ores et déjà à l'agonie, suite à des millénaires de guerres et de massacres. Toutefois, malgré cette folie, malgré l'horreur de la situation, ce conflit entre les Khtan accorda un temps précieux aux Anciens. Un temps qui allait leur permettre de finir de préparer leurs nouveaux alliés à la guerre à venir. Il y a de cela des millénaires, alors que la bataille faisait toujours rage au cœur du Halo des Étoiles, les Anciens avaient perçu que leur défaite face aux Khtan serait inévitable. Dans un ultime effort, ils avaient alors conçu un plan désespéré, insensé, mais surtout, un plan qui, au bas mot, allait prendre des siècles à se réaliser. Ceux-ci savaient que bien évidemment, jamais leur adversaire ne leur accorderait le temps nécessaire pour mener à bien leur projet. Néanmoins, ils avaient depuis longtemps pris conscience que si les choses continuaient ainsi, ils ne seraient jamais en mesure de gagner cette guerre. Après d'intenses réflexions, ils décidèrent que cette dernière tentative pour renverser le cours des événements se devait d'être tentée. C'est alors que dans les régions les plus éloignées du conflit, les Anciens créèrent de nouvelles espèces aux capacités exceptionnelles pour les aider dans la guerre à venir. Mobilisant tout leur génie, ils en vinrent ainsi à mettre au point plusieurs créations, dont deux se détachèrent tout particulièrement tant leur potentiel dépassa les prévisions les plus optimistes. La première fut la race des Khorc, conçue par les Anciens pour être entre autres des guerriers à la force physique phénoménale. Mesurant plusieurs mètres de haut, les géants à la peau verte qui la composaient étaient ainsi dotés d'une vigueur, d'une puissance et d'une résistance prodigieuses. Intelligents et sages, ils en étaient en outre venus à développer avec l'aide de leur créateur des armes à la puissance de feu redoutable, ainsi que des armures à même de les protéger contre le terrifiant arsenal des Nécrons. Mais bien que leur force était incroyable, les Khorc étaient considérés par les Anciens comme l'une de leurs créations les plus parfaites pour une toute autre raison. Nul être n'est en mesure d'expliquer comment ils parvinrent à concevoir une chose aussi prodigieuse. Mais aussi impossible que cela puisse paraître, les Anciens étaient parvenus à coder au niveau cellulaire un lien psychique latent entre les différents membres de l'espèce. En effet, plus ceux-ci étaient nombreux, plus la volonté du groupe de combattre était forte, plus leur capacité physique augmentait. Si suffisamment de Khorc parvenaient à unir leurs pensées, alors ceux-ci pouvaient tordre la réalité et puiser leur énergie à travers le warp afin de rendre l'impossible possible, devenant ainsi plus rapide, plus puissant, plus résistant par la seule force de leur volonté. Plus incroyable encore, si un Khorc venait à mourir, sa mémoire et ce qu'il avait appris de son vivant se transmettaient à travers ce lien psychique qu'unissait le groupe.
Ainsi, un enfant, quelques années à peine après sa naissance, pouvait posséder des connaissances que plusieurs décennies d'existence auraient permis d'acquérir. Cette incroyable compétence permit au fil du temps à la race des Krorks de développer toujours davantage leurs capacités guerrières. Mais bien que les représentants de ce peuple possédaient une puissance colossale, c'est pourtant chez la seconde race dont ils avaient perçu l'immense potentiel que les anciens placèrent tous leurs espoirs. Nul ne sait si ceux-ci conçurent ces derniers, ou s'ils les rencontrèrent lorsqu'ils n'étaient encore qu'au début de leur évolution. Mais, lorsqu'ils perçurent leur potentiel extraordinaire, ils décidèrent de les guider et de les aider à se développer. Possédant une anatomie pourtant faible en comparaison de celle des Krorks, les membres de ce peuple disposaient néanmoins de capacités tout aussi terrifiantes pour le combat. Se déplaçant avec une grâce et une dextérité défiant toute logique, ils étaient des guerriers extraordinaires. Sur le champ de bataille, la vue de leur prouesse martiale était un spectacle sensationnel. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les Aeldari combattaient avec une telle élégance et une telle maîtrise de leur art guerrier que les observateurs ne pouvaient être que subjugués par leur prouesse. Chacun de leurs gestes était chargé d'une intention subtile alors que leurs réflexes étaient d'une vitesse phénoménale. Toutefois, derrière la magnificence de leurs mouvements et leur beauté sublime, se cachait un instinct de prédateur terrifiant. Un prédateur ne cherchant que la mort impitoyable de son adversaire. Dotés d'une intelligence inouïe et d'une constitution solide leur permettant de vivre des millénaires, cette race représentait le parfait équilibre entre intellect prodigieux et capacité physique hors normes. À cela s'ajoutait une autre capacité qui ne manqua pas de susciter le plus vif intérêt de la part des anciens, qui y virent la clé d'une victoire possible. La clé afin de renverser une situation que tous considéraient comme perdue. En effet, au cours de leur longue guerre contre les Ktan, ils avaient découvert le point faible de leurs ennemis. Les dieux des étoiles, formés par le monde matériel, étaient en effet quasiment insensibles aux attaques physiques. Tout tir, attaque au corps à corps ou à l'arme blanche, ne semblait qu'être une gêne insignifiante à leurs yeux. Mais suite à des millénaires de lutte, les anciens avaient perçu l'aversion des dieux du Matarium pour les énergies en provenance du Warp. Les premiers doutes étaient apparus lorsque les anciens avaient constaté la crainte ressentie par les Ktan lorsque ces derniers eurent à traverser le plan immatériel via l'utilisation de la toile. Ils avaient par la suite pu confirmer leur théorie en utilisant les énergies en provenance du monde psychique pour s'attaquer à eux. Hélas, malgré qu'ils aient enfin réussi à trouver un moyen de les blesser, les forces des anciens étaient maintenant trop faibles et la puissance des dieux des étoiles demeurait colossale. Ainsi, ceux-ci ne purent malheureusement jamais prendre le dessus sur les dieux et leurs armées de Nécron. Mais ce que les anciens avaient découvert chez les Eldar fit naître un espoir quant à la possibilité de vaincre les Ktan. En effet, les membres de ce peuple possédaient une sensibilité extrême, ressentant chaque émotion avec une intensité folle. Le Warp étant un plan façonné par les énergies et les émotions des mortels, cette intensité spirituelle et émotionnelle présente chez chaque Aeldari développa chez eux un lien psychique inné avec le monde immatériel. Chaque membre de cette race était doté d'incroyables capacités pour manipuler les énergies en provenance du Grand Océan. Cette facilité déconcertante dans l'utilisation des arts psychiques fit d'eux des sorciers au pouvoir terrifiant, capables, en puisant leur énergie à travers le Warp, de lancer des sortilèges à la puissance inconcevable. Conscients des formidables capacités de leurs alliés, les anciens avaient toutefois fait preuve d'un remarquable sang-froid, en veillant pendant des siècles à protéger les Eldar, jusqu'à que ceux-ci aient finalement appris à maîtriser leurs dons, alors même que les défaites militaires s'accumulaient. Après des siècles de préparation, les Eldar étaient devenus un peuple à la puissance stupéfiante. Un peuple alliant d'incroyables capacités physiques et une maîtrise sans commune mesure des énergies psychiques. Les Ktan, quant à eux, trop préoccupés à se faire la guerre et à assouvir leurs plaisirs pervers, ne se préoccupaient plus guère de ce qu'il advenait d'ennemis qu'ils voyaient déjà vaincus. Toutefois, ils allaient bientôt payer le prix de leur aveuglement. Fin prêt, Krork et Aeldari, épaulés par le reste des forces anciens, partirent enfin à la rencontre de leurs ennemis. Après des millénaires de luttes et de défaites humiliantes, il était maintenant temps de laver l'humiliation et de venger tous ceux qui avaient péri de la main des Ktan et des Nécrons. Ignorant tout de la menace qui pesait sur eux, les dieux des étoiles continuaient de s'entretuer tout en causant chaos et destruction à travers la Voie lactée. La seconde guerre céleste durait depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Le conflit entre anciens et Ktan, au cœur du halo des étoiles, avait été l'élément déclencheur de ce bain de sang insensé, et suite à celui-ci, la galaxie tout entière s'était embrasée. Dès lors, un nombre inquantifiable de formes de vie avait été éradiqué dans ce déferlement de violence et de haine provoqué par les Nécrons et leurs sombres seigneurs. Les quelques peuples ayant échappé à la folie destructrice des conquérants survivaient misérablement, en proie aux excès en tout genre de leurs nouveaux maîtres, qui ne voyaient en eux qu'un matériel appelé à satisfaire leurs plaisirs malsains et leurs faim insatiable.
Incapable de s'opposer aux désirs morbides de ces derniers, il veillait autant que faire se peut à ne pas déclencher la terrible colère de ces êtres dont il n'avait rien à attendre, si ce n'est un malheur sans fin. Les anciens, qui avaient toujours tenu la vie comme sacrée, avaient depuis le début de ce conflit été forcés d'observer avec tristesse ce que les Nécrons et Ktan avaient infligé aux différents peuples de la Voie lactée. Le chagrin et la colère les avaient poussés dans leur dernier retranchement, mais la combativité qui en avait résulté s'était révélée insuffisante. Les revers s'étaient succédés et la défaite apparaissait toujours plus proche. Pourtant, malgré les immenses pertes subies, malgré une fin que beaucoup estimaient comme inéluctable, les anciens ne s'étaient jamais résignés et n'avaient jamais cessé de lutter. Cohérents, ils entendaient honorer cette vie qu'ils respectaient tant, en se battant jusqu'au dernier souffle qu'elle leur offrirait. Décidés à libérer la Voie lactée du joug des dieux des étoiles, ces créateurs de vie, accompagnés de leurs alliés, en vinrent à lancer toutes leurs forces dans une ultime contre-attaque qui, si elle devait échouer, marquerait le dernier chapitre de leur épopée. L'enjeu était clair, et la motivation des attaquants serait à la hauteur de celui-ci. Lorsque l'assaut débuta, les Ktan et leurs serviteurs Nécrons furent totalement pris de court. À aucun moment, ils n'avaient pu imaginer que cet adversaire qu'ils pensaient agonisant se relève et soit en mesure de mobiliser de telles forces. Leurs adversaires attaquaient en différents points de la galaxie, apportant la guerre au cœur même des territoires contrôlés par les dieux des étoiles. Mais alors que les Nécrons et leurs maîtres pensaient être à même de contrer facilement ces attaques portant la marque du désespoir, leur étonnement se transforma en stupeur lorsque ceux-ci reçurent les premiers rapports des batailles menées contre les anciens et leurs nouveaux alliés. Les armées des Krork progressaient inéluctablement sur le champ de bataille sans que le terrifiant arsenal des Nécrons ne semble en mesure de les stopper. D'un pas lourd et puissant, ces géants marchaient imperturbablement vers leurs ennemis. Avec leurs armes lourdes, ils faisaient s'abattre un déluge de feu sur les formations adverses, avant de finalement venir au corps à corps, afin de démembrer de leurs mains les derniers survivants. Dans d'autres systèmes assaillis, les rapports au sujet de l'arrivée de guerriers aux capacités terrifiantes se succédaient. Ces êtres se battaient avec une grâce et une agilité prodigieuses, tranchant leurs ennemis via leur lame spectrale avec une facilité déconcertante. Mais au-delà de leur prouesse martiale, ceux-ci possédaient d'étranges et puissants pouvoirs, réduisant en poussière leurs adversaires, en déclenchant des torrents de flammes ou en les pulvérisant dans un déluge d'éclairs psychiques. Le constat était partout le même, implacable. La contre-offensive lancée par les anciens était un succès et les vaincus d'hier progressaient sur tous les fronts à une vitesse impressionnante. Les dieux des étoiles, désorganisés et affaiblis suite à des siècles de luttes intestines, peinaient à contenir les assauts de leurs ennemis. La force des Krork était terrifiante, mais c'est bien les extraordinaires pouvoirs des Aeldari qui marquèrent les Ktan. Néanmoins, malgré les défaites qui se succédaient, la puissance des Nécrons et de leurs maîtres demeurait terrifiante, et chaque victoire contre eux l'était au prix de lourdes pertes. Mais même si ces succès avaient été cher payés, ceux-ci avaient eu un impact incommensurable sur le moral des différents peuples de la galaxie, qui reprirent la lutte en constatant qu'après des millénaires de défaites humiliantes, les Ktan et leurs serviteurs pouvaient être vaincus. Les dieux des étoiles peinaient encore quant à eux à comprendre ce qu'il était en train de se passer. Depuis le début de leur lutte fratricide, nombreux de ces derniers avaient péri de la main de leurs frères et sœurs. Mais jusqu'alors, aucun n'avait été vaincu par de simples mortels. Aussi, quand la nouvelle que les Aeldari et leurs alliés anciens étaient parvenus par leurs immenses pouvoirs psychiques et au prix de lourdes pertes à vaincre plusieurs Ktan, le choc fut immense et les derniers dieux du Matayum furent saisis de crainte. Si ces victoires avaient permis à leurs ennemis de reprendre espoir, les dieux des étoiles encore vivants commencèrent à ressentir de la peur face à la tournure que prenaient les événements. Réalisant le grave danger qui pesait désormais sur eux, ceux-ci décidèrent de cesser leur querelle afin de s'unir à nouveau pour faire face aux défis qui se présentaient. Les terrifiants pouvoirs psychiques employés par leurs adversaires étaient une menace pour leur existence et il fallait immédiatement y trouver une parade. À l'instar de ce qu'ils avaient dû accomplir afin de contrer les graves dangers représentés par la toile des anciens, les Ktan survivants se concertèrent dans l'espoir de rééditer leurs prouesses passées. Mais alors que les combats continuaient de faire rage au cœur de leur domaine depuis maintenant des siècles, l'un d'eux fit une trouvaille à même d'à nouveau faire basculer le déroulement de la guerre. Au premier abord, cette mystérieuse découverte semblait bien insignifiante. Nommée pierre noire, il s'agissait d'une roche à la couleur obsidienne extrêmement rare et possédant des propriétés étonnantes. Suite à une étude approfondie, les dieux du Matayum comprirent que cette pierre était en mesure d'annuler les effets du warp et ce faisant, de couper le lien entre le monde matériel et immatériel. Tout être vivant ressentait au contact de celle-ci un terrible malaise, comme si son âme était extirpée de son corps. Les pierres noires généraient en effet comme un vide psychique, rendant impossible pour un Psyker de lancer ses pouvoirs à partir des énergies en provenance du Grand Océan. À la lueur de ces effets, et après des siècles de lutte, les Ktan comprirent qu'ils possédaient enfin le moyen de terrasser définitivement leurs ennemis.
Décidés à exploiter au mieux l'atout que le sort avait mis sur leur chemin, ils se lancèrent dans un projet colossal, entendant ainsi faire bâtir une série d'obélisques en pierre noire sur l'ensemble de leur domaine. La tâche devrait certes mettre des siècles avant d'être achevée, mais pour les Khtans comme pour les Nécrons, le temps ne représentait rien. Et même si leurs ennemis avaient remporté quelques victoires, leur force leur permettrait de gagner ce délai nécessaire. C'est ainsi que sur le monde qui serait bien plus tard connu sous le nom de Kadia, les esclaves des dieux des étoiles débutèrent la construction du premier obélisque noir. Une fois de plus, il semblait que les Khtans avaient trouvé le moyen de surpasser les anciens et de faire pencher la balance en leur faveur. Peu importait ces nouveaux siècles d'attente et de lutte, la victoire était désormais leur. Plusieurs millénaires passèrent, des millénaires qui virent les anciens et leurs alliés lutter avec acharnement contre leurs ennemis à travers toute la Voie lactée. Les premiers siècles qui suivirent la contre-attaque avaient certes vu les Nécrons subir de lourdes défaites et reculer, mais, depuis l'effort des Khtans pour cesser leur querelle fratricide, la situation s'était stabilisée, amenant l'affrontement à se muer en une terrible lutte de position. La situation se révélait particulièrement avantageuse pour les dieux des étoiles, qui, à défaut de gagner des batailles, souhaitaient pour leur gagner du temps. Parallèlement aux forces affectées à la lutte en cours, ces derniers n'avaient en effet jamais cessé d'envoyer toujours plus de leurs esclaves bâtir des obélisques noirs à travers la galaxie. Pourtant, un événement inattendu allait mettre fin à leur plan. Au cœur du monde immatériel, les flux d'énergie infinis parcourant le grand océan devenaient chaque jour de plus en plus tumultueux. Depuis le moment où la première forme de vie était apparue, ce reflet torturé du monde physique n'avait cessé d'être alimenté par l'ensemble des émotions et des âmes de chacun des êtres vivants peuplant l'univers. Leurs amours, leurs joies, leurs envies, mais aussi leurs peurs, leurs colères et leurs peines s'y déversaient ainsi dans un flux continu. Lent et paisible, le cours de celui-ci était devenu, avec cette guerre qui n'en finissait pas, de plus en plus inquiétant. Depuis maintenant plusieurs dizaines de milliers d'années, les douleurs, les chagrins, les tristesses et les colères des victimes innombrables de ce carnage engrossissaient les flots en des proportions monstrueuses. Sans que l'on ne sache vraiment comment, ces différents composants psychiques en étaient venus, lentement, à s'amalgamer au point d'en venir à former des entités étranges, fruits de ces émanations funestes. Ces créatures, profitant du chaos ambiant, devenaient chaque jour plus puissantes, se transformant en de terribles prédateurs, dévorant les âmes et les consciences les plus faibles et fragiles au sein du monde immatériel, afin de devenir toujours plus fortes. Le déferlement continu de puissance négative, comme les abominations qui en résultaient, n'avait certes pas été causé par les anciens, mais c'est bien eux qui furent à l'origine des événements qui allaient suivre. Malgré tout leur génie, ceux-ci s'étaient en effet révélés incapables de percevoir qu'en poussant les plus jeunes races de la galaxie à utiliser leur pouvoir psychique, celles-ci allaient petit à petit fissurer l'espace entre le plan physique et le monde immatériel. Après un usage plurimillénaire de sortilèges alimentés par les énergies du Warp, le voile commença en effet lentement à se fissurer ici ou là, jusqu'à finalement se déchirer. De ces immenses failles jaillirent alors, première vague des fléaux engendrés par le Warp, des monstres à l'apparence repoussante et à la puissance redoutable. Des êtres qui recevraient le nom de démons, de la part d'une espèce qui se développerait dans un lointain futur. Le bouleversement en cours semblait toutefois ne plus pouvoir s'arrêter, car suite à ces entités cauchemardesques, en arrivèrent d'autres nées quant à elles, durant les temps les plus anciens du monde immatériel. Ces créatures, qui allaient gagner la sinistre réputation d'être parmi les plus terrifiantes de toutes celles issues du Warp, étaient désignés sous le nom d'Enslavers, ou d'Asservisseurs. Dénués de ces abominations, également dénommés Aes, Krell ou Psyrène, se répandirent ainsi dans le plan matériel. Mesurant plusieurs mètres de haut, elles se mouvaient en flottant nonchalamment dans les airs. Plus que leur corps parsemé de mandibules, qui ne représentaient aucune menace sérieuse, c'était bien leur pouvoir psychique extraordinaire qui en faisait des prédateurs redoutables. Se déplaçant en groupe, elles étaient attirées par les énergies psychiques de leur proie, qu'elles parvenaient à transformer d'une simple pensée en leur plus servile esclave. Cette capacité déjà surprenante, qui leur permettait à terme de disposer de légions de serviteurs prêts à se sacrifier, n'était toutefois pas la pire menace représentée par celle-ci. En mesure de détecter les émanations psychiques les plus puissantes à des distances faramineuses, les Enslavers cherchaient constamment les Psychers les plus redoutables en vue de les manipuler au point d'en faire de simples pantins. Ces pauvres êtres, une fois passés sous leur contrôle, se voyaient ainsi soumis à un terrible processus de mutation. Durant des jours, leur corps gonflé, se parsemait de protubérances monstrueuses pour finalement se transformer en un surprenant portail de chair sanguinolente en mesure de mettre en relation les deux mondes. De ces portails organiques vers le Warp, des nuées d'Enslavers jaillissaient ainsi pour rejoindre leurs frères dans leur carnage.
Cette capacité effrayante rendait de fait une invasion d'asservisseurs bien difficile, si ce n'est impossible à contrer. L'arrivée de plusieurs centaines de ces êtres suffisait à placer des populations entières sous leur contrôle pour servir d'armée d'esclaves. En seulement quelques mois, des régions entières de la galaxie furent ainsi ravagées par l'infestation des Enslavers et des populations entières furent placées sous le contrôle de ces derniers. Que ces systèmes furent sous la domination des Ktan ou des Anciens, les asservisseurs n'en avaient cure, ravageant sans distinction les terres où ils prenaient pied via leurs immenses armées d'esclaves. Tel un cycle infernal, les morts et les destructions causées par cette nouvelle menace continuaient de précipiter de plus en plus d'âmes vers le monde immatériel, augmentant ainsi toujours plus le pouvoir des sombres entités qui s'y développaient. Comme pour parachever les bouleversements, une troisième calamité allait surgir du bois. Comme poussés par cet amalgame sans nom d'énergie et d'émotions, des êtres à la puissance prodigieuse commencèrent à leur tour, lentement, à s'éveiller dans les tréfonds de la mer des âmes. Peut-être que ces entités avaient toujours existé et que ce déferlement de violence les poussa à sortir de leur torpeur, ou peut-être qu'ils furent créés en cet instant. Hélas, personne ne peut répondre à cette question. Mais ce qui est toutefois sûr, c'est que lorsque leur éveil serait achevé, la galaxie ne serait plus jamais la même. Ignorant tout de ce qu'il était en train d'advenir au cœur du Grand Océan, Tan, Ancien, Necron, Aeldari, Krork et toutes les autres espèces de la galaxie ne purent quant à eux que constater stupéfaits ce qu'ils avaient causé. Après des dizaines de milliers d'années de carnage, et alors que beaucoup pensaient que rien de pire ne pouvait arriver, l'infestation des Enslavers allait finir de purger la Voie lactée de la quasi-totalité des formes de vie qui y résidaient. Malgré ce tragique constat, les Anciens et leurs alliés luttaient sur tous les fronts, continuant sans relâche de s'opposer aux Ktan et aux Necrons, tout en tentant de faire face aux asservisseurs. La situation était toutefois désespérée, et suite à des millénaires de lutte, les Anciens étaient maintenant à l'agonie. L'arrivée des Enslavers représenta l'épreuve de trop pour cette race au passé glorieux, qui avait tant donné et tant souffert afin d'accompagner les différents peuples de la galaxie dans leur développement. Entendant profiter de cet affaiblissement irrémédiable, les dieux des étoiles et leurs serviteurs Necrons regroupèrent leurs forces pour lancer une ultime contre-attaque. Foudroyante, celle-ci vint briser définitivement les espoirs des Anciens et de leurs alliés. Après des millénaires de combats, et suite à de terribles batailles, les Ktan et leurs armées étaient finalement parvenus à repousser leurs ennemis hors de leur domaine. Les flottes en déroute tentèrent bien de fuir où elles le pouvaient encore. Cependant, les dieux du Matérium n'entendaient pas rééditer leur erreur du passé. Bien décidés à en finir une fois pour toutes, ils réunirent alors leurs forces pour poursuivre les Anciens et assiéger leur dernière forteresse. Au cœur de leurs domaines respectifs, Aeldari et Krork tentaient quant à eux de récupérer des immenses pertes subies au cours de ces derniers millénaires de lutte, espérant pouvoir apporter leur aide à ceux à qui ils devaient tant. Leurs adversaires ne leur en laissèrent toutefois pas le temps, et cette fois-ci, rien ne put les sauver. Là où les Anciens, il y a de cela une éternité, avaient fait preuve de clémence envers les Nécontyr, leurs ennemis témoignèrent de la plus impitoyable cruauté, veillant à massacrer méthodiquement les derniers membres de cette race bienveillante. Les derniers représentants des quelques peuples survivants engendrés ou guidés par leurs protecteurs agonisants ne purent qu'assister avec un immense chagrin à cette tragédie. Rapidement, des rumeurs se répandirent quant à la possibilité que certains Anciens aient pu réussir à fuir la galaxie et à survivre, se préparant, un jour, à revenir pour briser le joug des Ktan. Mais, nombreux furent ceux à penser que ces histoires faisait partie de celles que l'on se raconte pour atténuer une tristesse. La vérité était en effet tout autre. Les Anciens n'étaient plus, et les dieux des étoiles avaient vaincu. Mais bien que victorieux, les Ktan avaient eux aussi lourdement souffert. Suite à ces derniers millénaires de guerre, ils n'étaient plus qu'une poignée. Mais même si affaiblis, il ne leur restait plus qu'à en finir avec les Aeldari et les Krork pour que leur succès soit total. Zarek, le dernier des rois silencieux, observait ses sombres maîtres se réjouir de leur triomphe. Impassible, il les observait savourer cette victoire qu'ils avaient tant espérée, puis se retourna et partit. Sa décision était prise, et il était maintenant temps d'en finir. Alors qu'ils pensaient la victoire à portée de main, en un instant, leur rêve fut réduit à néant. Les Ktan, si affaiblis suite à leur lutte contre les Anciens, ne purent que constater avec horreur ce qu'il était en train d'advenir. Partout à travers la galaxie, leur place forte était en train de subir les assauts des légions des Necrons, sous les ordres de Zarek. Depuis maintenant des millénaires, le dernier des rois silencieux avait préparé son plan.
attendant patiemment le moment opportun pour obtenir sa vengeance. Lorsqu'il y a une éternité de cela, les Khtan avaient fait des Nécrontiens leurs esclaves, celui-ci n'avait pu se résoudre à agir, sachant pertinemment que son peuple aurait été trop faible pour faire face au pouvoir terrifiant des dieux des étoiles. Pour le bien des siens, il n'avait eu d'autre choix que d'accepter la situation. Chacun des jours qui avaient composé ces dizaines de milliers d'années passées à les servir avait alors été un enfer. Un enfer durant lequel le monarque avait dû lutter constamment pour ne pas sombrer dans la folie, en voyant son cauchemar se répéter encore et encore. Vivant constamment dans la honte d'être l'esclave de ceux à avoir causé la perte de son peuple, de ceux à leur avoir tout pris et à les avoir humiliés, chaque jour, il avait dû dissimuler son dégoût en voyant les Khtan assouvir leurs plaisirs malsains. Chaque jour, il avait dû accepter que ses guerriers durent mourir en leur nom et à se battre à leur place. Seule sa volonté de vengeance lui avait permis de tenir durant cette éternité de souffrance, jusqu'à que finalement, l'occasion qu'il avait tant attendue se présente à lui. Tout comme il avait toujours su que son peuple n'aurait jamais pu vaincre les Khtan, il avait aussi su que sans l'aide des dieux des étoiles, il n'aurait pu obtenir sa vengeance sur les anciens. Ainsi, durant des milliers d'années, il avait laissé les deux camps s'entretuer. Quand finalement les anciens furent vaincus, et que les Khtan furent suffisamment affaiblis, il donna l'ordre à ses légions d'attaquer. Pourtant, il restait un dernier problème. Zarek ne savait que trop bien que les siens ne possédaient pas de pouvoir psychique, et qu'ainsi, il n'aurait jamais pu être à même de vaincre les dieux des étoiles. Il l'avait toujours su, et cela l'arrangeait cependant, car il prévoyait pour ses maîtres un destin bien plus terrible que la mort. Ainsi, lorsque le moment arriva, il lança ses légions à l'assaut des forteresses des derniers Khtan encore en vie. Ce fut Mephetran qui, le premier, eut à subir la terrible colère des Nécrons. Face à la gravité de la situation, le dieu tenta bien d'appeler ses frères à l'aide, mais aucun de ceux-ci ne vint à son secours. Depuis maintenant bien longtemps, les autres dieux avaient perçu la nature trompeuse et manipulatrice de Mephetran, et après des millénaires de trahison et de mensonges, ils décidèrent de laisser leur frère à son triste sort. Quand ses assaillants finirent par percer les défenses de son palais, le dieu, fou de rage en constatant qu'il avait été abandonné, se jeta sur ses adversaires. Refusant d'être vaincu par de si pathétiques créatures, il déchaîna toute sa puissance, emportant des centaines de Nécrons à chacune de ses attaques. Cependant, face au déluge de feu incessant qui s'abattait sur lui, le dieu finit par ployer sous la douleur. Les Nécrons continuèrent encore et encore, jusqu'à que dans un hurlement tonitruant, mêlant rage et souffrance, le corps du dieu explose en une multitude de fragments. Bien que gravement blessé, le Khtan n'allait toutefois pas tarder à guérir de ses blessures et à se rematérialiser sous sa forme physique. C'est alors que les Nécrons utilisèrent d'étranges artefacts prenant la forme de cubes à la couleur obsidienne venus de lumière d'émeraude, les Tesseracts. Ces créations terrifiantes avaient été conçues à la demande de Zarek dans le but de trouver un moyen pour emprisonner les Khtan. Durant des millénaires, ces scientifiques avaient alors mené en secret leurs recherches. Utilisant d'antiques technologies à la puissance prodigieuse, ils étaient finalement parvenus à répondre à la demande de leur roi. Chaque Tesseract était en réalité une prison planaire. Une dimension de poche labyrinthique ne possédant aucune issue. Ainsi, les Nécrons y enfermaient les fragments de Mephetran, condamnant ainsi ce dieu qui ne pouvait mourir à une existence aérée sans but, sans espoir, sans possibilité d'assouvir sa faim insatiable. Pour Zarek, tuer ces êtres qui avaient causé tant de souffrances à son peuple aurait été un châtiment bien trop clément. Au lieu de cela, il les condamna à une éternité de souffrance et de solitude, un destin bien cruel pour des êtres qui le furent tout autant. Après des combats acharnés, les autres Khtan furent aussi vaincus et enfermés au sein de Tesseract. Seul le destin du Paria et du Dragon du Vide demeurait inconnu. Le premier serait selon les légendes devenu fou et aurait quitté la galaxie, alors que le second, gravement blessé, reposerait enfoui dans les tréfonds d'une planète rouge. Toutefois, ces rumeurs ne sont sans doute que des mythes, et nul ne peut affirmer avec certitude ce qu'il est advenu des deux derniers dieux des étoiles. Les Khtan n'étaient plus tout comme les anciens. Toutefois, Zarek ne ressentait aucune joie dans sa victoire. Jamais il ne pourrait absoudre ses péchés pour ce qu'il avait causé à son peuple. Les Nécrontiers avaient disparu et il ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais, au moins, ceux-ci avaient été finalement vengés. Depuis le pont de son vaisseau, le dernier des rois silencieux contemplait le vide sombre et glacial de l'espace. Celui-ci ne se rappelait même plus depuis quand toute cette folie avait commencé. Là de cette existence de souffrance, de haine et de guerre, il décida qu'il était temps d'en finir. Bien que les Khtan et les anciens n'étaient plus, la galaxie, elle, était toujours à feu et à sang. Les Enslavers continuaient leur invasion, les Krorks se battaient toujours, et les Aeldari devenaient chaque jour plus puissants. Peut-être les Nécrons étaient-ils en mesure de terrasser ses derniers adversaires, mais pour Zarek, ce but n'avait guère plus de sens. Il ne comptait plus les sacrifices endurés par son peuple, les guerriers tombés et les souffrances accumulées. Il était désormais temps d'y mettre un terme.
Zarek ordonna alors à toutes les grandes dynasties de bâtir de gigantesques forteresses souterraines à travers les innombrables mondes qu'ils avaient conquis. Une fois ces travaux achevés, le dernier des rois silencieux donna à son peuple son dernier ordre. Zarek exigea que chacun de ses sujets se rende au cœur des immenses citadelles qu'il avait fait bâtir. Là-bas, cachés sous la surface, à l'abri du temps et des cataclysmes, il leur ordonna d'en sceller les accès et de se mettre en sommeil pour les 60 prochaines millions d'années. La décision du souverain ne manqua pas de provoquer la stupeur des nobles et des plus hauts dignitaires, qui ne comprenaient rien à ce renoncement, alors même que la galaxie dans son entièreté était presque entre leurs mains. Toutefois, ceux-ci, via les protocoles de commandement qui leur avaient été implantés il y a une éternité de cela, ne purent que s'exécuter. Accomplissant la dernière volonté de leur roi, les Nécrons entamèrent alors leur long sommeil. Zarek, durant sa longue existence, avait réalisé que rien n'était éternel. L'empire des Nécrontiens n'était plus, tout comme celui des anciens, et le règne d'Ictan était lui aussi révolu. Il savait que la galaxie allait encore brûler durant des millénaires dans cette guerre entre Enslavers et Eldari. Et lui, le dernier roi silencieux, entendait de ne pas faire souffrir davantage ce peuple qu'il guidait désormais depuis des milliers d'années. Peu importait qui allait gagner cette bataille, le temps réduirait inéluctablement leurs empires en poussière, tout comme leurs souvenirs. Que les Aeldari dominent la galaxie durant des éons s'ils le souhaitaient. Irrémédiablement, comme pour tous ceux qui les avaient précédés, il n'en resterait à terme plus rien. Lorsque le temps aura fait son œuvre, alors les immortels Nécrons se réveilleront de leur crypte et réclameront leur dû. Une fois qu'il fut certain que tous ses sujets étaient bel et bien endormis au cœur des immenses tombes qu'il avait fait bâtir, Zarek accomplit la dernière étape de son plan. Le dernier des rois silencieux brisa alors les protocoles de commandement, délivrant ainsi son peuple de son autorité. Lorsque les Nécrons reviendraient à eux dans des millions d'années, ils seraient désormais libres de prendre en main leur destinée. Les dynasties pourraient s'allier pour conquérir la galaxie, ou bien retomber dans des luttes intestines, cela ne lui importait plus. Suite à cela, Zarek, entouré de ses guerriers les plus proches, quitta la galaxie. Durant les millions d'années qui suivirent, nul ne revit jamais le dernier roi des Nécrons, et son nom, comme celui de son peuple, commença à tomber petit à petit dans l'oubli. Personne ne sut jamais pourquoi Zarek fit ce choix. Certains émirent l'idée que le monarque, estimant qu'il ne méritait ni repos ni pardon pour ce qu'il avait causé à son peuple, préféra quitter les siens et se condamner ainsi à une éternité de pénitence à travers les ténèbres et le vide intersidéral. Les millions d'années qui suivirent virent, comme l'avait prévu le dernier des rois silencieux, les Aeldari devenir l'espèce la plus puissante de la galaxie suite à leur victoire sur les Enslavers. Forgeant sur les vestiges des domaines des anciens un puissant empire à travers les étoiles, ils permirent à la vie de se développer à nouveau au sein de la Voie lactée. Avec le temps, la guerre céleste devint un mythe, une légende transmise de génération en génération. Nombreuses étaient d'ailleurs les espèces nouvelles à douter de la véracité des faits qui leur avaient été rapportés, tant tout ce qu'on leur avait raconté au sujet de ce conflit semblait inconcevable. Pendant que l'on discutait et s'interrogeait sur eux, les Nécrons, imperturbablement, dormaient. Les éons passant, la crainte qu'ils avaient inspirée s'estompa pour finalement disparaître avec le souvenir même de l'existence de ceux qui en avaient été à l'origine. Tous les oublièrent, et pourtant, ils étaient bien là, comme attendant l'heure d'un réveil qui ne semblait jamais devoir advenir, jusqu'au moment où, sur un monde perdu aux confins de la galaxie, une partie des représentants de ce peuple oublié commença à lentement s'éveiller. Les premiers membres des dynasties qui quittèrent la sécurité de leur tombeau constatèrent rapidement que la galaxie avait bien changé en leur absence. Les Krorks, tout comme les Enslavers, avaient disparu. Les Aeldari, quant à eux, étaient toujours là, mais comme Zarek l'avait annoncé, leur puissant empire s'était à son tour effrité, au point de n'être plus qu'un infime fragment de ce qu'il avait été du temps de sa splendeur. Ils relevèrent également que de nouvelles espèces s'étaient développées et implantées sur les anciens domaines qui, il y a bien longtemps de cela, avaient été leurs. Leur présence provoqua le dégoût et le mépris des Nécrons, mais comme ils l'avaient fait, il y a des éons de cela, ils reprendraient ce qui leur appartenait. Les différentes dynasties, quittant leur torpeur, identifièrent d'ailleurs bien vite que le principal obstacle qui se dresserait devant eux et leur entreprise ne serait certainement pas les Aeldari, bien trop affaiblis, mais une nouvelle espèce. Une espèce qui, en dépit de l'apparence frêle de ses membres, semblait, sous son étendard figurant un aigle à deux têtes, représenter un adversaire redoutable.